24. Mirador, la grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée, avec Aboubacar Diallo, Talibé Barry, Mamadou Houri Diallo, Emmanuel Milimouno, Kabiné Fofana, Ibrahima, Lincoln Souma, Mamadou Diambaldé. Bonjour à tous, bonjour à toutes, nous sommes le mardi 18 juillet, tout plaisir pour nous de vous retrouver de nouveau ce matin dans Mirador. À la une, CRIEF, l'ancien Premier ministre, Dr. Ibrahima Kassoy Fofana, reste en prison. Ainsi en a décidé hier lundi le juge Kova Zoumanigui. Le plaidoyer de ses avocats, les explications de son médecin traitant devant la CRIEF et son interrogatoire sur son lit des malades n'ont pas suffi à convaincre le magistrat de la nécessité de lui accorder un bon de sortie pour une évacuation sanitaire. Il décide donc de renvoyer l'affaire au 20 juillet prochain pour les réquisitions et plaidoiries. Le juge Kova Zoumanigui a d'ailleurs démenti les avocats de l'accusé en ces termes. Nous citons, il n'est même pas dans cet état. Au départ, il a usé des mimiques, mais nous lui avons posé la question, qu'est-ce qu'il veut? Il a parlé de façon audible et clairement en disant, Monsieur le Président, envoyez-moi à l'extérieur, a-t-il rapporté. Alors, en plus de son état de santé jugé inquiétant, le sort judiciaire de l'ancien Premier ministre, le dernier Premier ministre du régime d'Alpha Condé, est-il désormais presque scellé? Nous allons poser cette question à Maître Dina Sampil, l'un de ses avocats. Vent de grève générale et illimité à compter de ce mardi 18 juin dans toutes les institutions d'enseignement supérieur de la Guinée. C'est le SENASUR, un syndicat national autonome de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique qui en a décidé à travers un avis de grève qui pointe la non-satisfaction des points de revendication contenus dans le préavis de grève en date du 6 juillet 2023. Le SENASUR regrette, nous citons, les multiples tentatives sans succès de rencontrer la ministre de l'enseignement supérieur et exige entre autres la signature sans délai du statut particulier des enseignants de l'enseignement du supérieur, l'engagement à la fonction publique des contractuels des institutions d'enseignement supérieur et des centres de recherche et enfin l'immatriculation des contractuels à la Caisse nationale de prévoyance sociale. Pourquoi le syndicat de l'enseignement supérieur a-t-il décidé de passer à la vitesse supérieure? Nous posons cette question ce matin. Cette grève sera-t-elle réellement suivie par les enseignants et chercheurs de Guinée? Des questions que nous allons adresser à M. Lansana Yansane, il est le secrétaire général du SENASUR. Après 6 ans d'arrêt dû à une grève du syndicat des travailleurs en 2012, l'usine de Russal Frigia a repris timidement ses activités en 2018 grâce à l'implication de l'ancien régime. Les Russes propriétaires de Russal, donc Frigia, travaillent en étroite collaboration avec l'expertise ukrainienne pour faire fonctionner cette première usine d'alumine en terre africaine. Et depuis février 2022, sur ordre du Kremlin, la Russie a envahi son voisin ukrainien, une guerre qui dure depuis plus d'une année. D'où cette question, la crise russo-ukrainienne impacte-t-elle directement ou indirectement le fonctionnement de l'usine de Russal Frigia? C'est ce que nous allons voir avec Ibrahima Souri Likonsouma, donc dans notre dossier d'enquête du jour. Et puis la société Bel Air Mining, lourdement punie par l'État guinéen, apprend-on, 7 millions de dollars. C'est l'amende qui aurait été infligée à la compagnie minière qui exploite de la bauxite dans la zone de Bofa par le bureau des évaluateurs quantité et qualité des minéraux à exportation BQQ. Une amende qui fait suite, il faut le rappeler, au chavirement au mois de juin dernier d'une barge de la société déversant une forte quantité de bauxite dans les eaux guinéennes. Dans la foulée, il faut le rappeler, les activités de la compagnie minière avaient été gelées, notamment du fait pour elle
d'avoir dissimulé cet incident. En quoi cette amende serait-elle justifiée? Est-elle la même de compenser les conséquences écologiques afférentes à cette catastrophe? Des questions que nous allons poser dans Mirador ce matin. Vous aurez des éléments de compréhension avec Oumar Totiabari, le spécialiste des questions minières. Bien d'autres sujets viendront agrémenter ce menu. Il sera notamment question du séjour de travail en Guinée du vice-président de la Banque mondiale, M. Ousmane Diagana, donc qui boucle d'ailleurs son passage en Guinée mardi. Et il a eu plusieurs rencontres avec les autorités, le Premier ministre, le ministre de l'Économie et des Finances, que nous allons appeler dans quelques minutes dans cette émission. Encore une fois, merci d'être à bord. Bienvenue à tous. Passer sous nos fourches cordées, perché sur notre mirador en ligne de mire, concussionnaire. Des prédateurs et prévaricateurs passer sous nos fourches cordées. Excusez-moi. Le guet, c'est pas grave. Oh, désolé, c'était les intérêts. Non, t'inquiète. Mais attends, vous avez tous quoi à sourire aujourd'hui là? Mais tu sais pas? Non. C'est la folie chez Mouna. Regarde. L'internet n'est pas un luxe. Mouna, vous l'avez dit. Offrez-vous une connexion illimitée jusqu'à 20 mégas avec la fibre optique au prix de 690 000 francs guinéens. Si, si, je répète, au vrai prix de 690 000 francs guinéens. Ce n'est pas beau ça? Et ce n'est pas tout. Mouna et Canal+, associent l'internet à votre abonnement télé. Recevez vos programmes TV via... Mirador, tour de chauffe. Nos chroniqueurs se déboutonnent sur le vif. Allez, encore une fois, merci d'être en notre compagnie ce matin. Merci d'être au rendez-vous de la Guinée, tout simplement. Vous êtes au bon endroit. Vous êtes sur FM Guinée, sur 95.3, à modulation des fréquences à Conakry et Extension, mais aussi à Dubreka, à Bofa et par endroits un peu dans Télémélé. Vous êtes en province, dans la savane et en région forestière, sur le réseau synchronisé de Labo Média à Kindia. Vous êtes sous 107 Kanyazik, pendant ce temps, à Mamou, dans la ville Carrefour. Vous êtes chez Sidi Diallo, 94.9 plutôt. Merci à vous tous qui êtes aussi très très nombreux sur www.fumguinée.com ou encore sur la page Facebook de FM Guinée et aussi à ceux qui sont sur notre chaîne YouTube. Allez, toute l'équipe pour vous servir, vous accompagner jusqu'à 11h. Manu, bonjour, bienvenue. Bonjour Aboubakar, bonjour à l'ensemble de nos auditeurs du côté de Gekedou, de Dabola, de la diaspora. Bien. Et un bonjour particulier à Koumoukoro dans Koumsa. Bien, allez, je crie de savoir qu'on on salue Mariana ce matin, voilà. Et selon les principes de Kabi, voilà, monsieur le directeur de la communication. Bonjour Kabi, bienvenue. Bonjour Aboubakar, bonjour à Balandou Gouba, à Dialakoro et à Faralako. Très bien. Merci. Mamadou Gouri, bonjour, bienvenue. Bonjour Aboubakar, bonjour à Cancan où... il y a pratiquement 2500 jeunes qui vont être en face de notre frère Amadou Kourouma de la société Amafo Guinée. Bien. Pour des formations, j'ai vu cette info circuler depuis hier. Absolument. Pour des formations sur des thématiques comme la création d'entreprises. Mais qu'est-ce qui te prend, Kabi? Mais qu'est-ce qui te prend, Kabi? Il a quelque chose contre ça? J'ai l'impression, sincèrement. Mais Amadou, c'est quand même un jeune entrepreneur qui est encouragé, qui est quand même. Qui est un conquérant, ouais. J'ai envie de dire, un conquérant. Non, en fait, ce qui me semble un peu spécial dans cette information, c'est que, vous voyez, la jeunesse de ce côté-là, les gens sont plutôt portés sur les zones minières, tout le monde va vers l'extraction de l'or, du diamant par-ci, par-là. Donc, pouvoir maîtriser des jeunes et les maintenir au centre-ville, les donner des formations comme cela qui leur permettent
de créer des initiatives privées. Je pense qu'il faut tout simplement saluer cela. Bien. Mamadou Tiam Baldé, bonjour, bienvenue. Bonjour à Bakar et bonjour à Kantoumania. Hein, très bien. Dans Mandiana. Dans Mandiana. Voilà. Bonjour Likone, bienvenue. Bonjour Bakar, bonjour à Mandiana. Où nous sommes, vous êtes chez nous là. Oui, bien. Très écouté, des groupes d'écoute des jeunes. Comme, Vous y avez été pendant la pause Tabaski. Oui, bien sûr. Pour la première fois. Je suis par le préfet pour la première fois. Des jeunes comme le Prince, qui a un hôtel de ce côté, Boy Sydney, et toute la jeunesse de Mandiana nous a accueillis. Mais Bakar, c'était très formidable. Ouais. Une ville d'hospitalité. Ouais. Nous comptons retourner. Hein. C'est bien. Voilà. C'est bien. Et là, bonjour. C'est, là, c'est le Wasselo. Hein. C'est ça. Bien. Bonjour au commissariat de Gbessia. Bonjour à la direction générale des douanes. Nous apprenons qu'il y a très longtemps, le guichet unique ne fonctionne pas. Par faute de connexion. Comment ça? On va vérifier. Comment ça? Non, oui. Mais j'apprenais plutôt que le serveur central qui a pris un coup vendredi, ce sont des pannes ça qui arrivent. Ce sont des pannes qui arrivent. La panne a pris du temps ben non, et ça a des impacts. Ben non, il n'y a pas lieu de dramatiser les cônes. Oui, il faut réparer. Mais non, mais non, attendez quand même. Il faut réparer. Mais ils sont là-dessus. D'accord. Et je pense même que d'accord. Ça a été réparé, sauf erreur de ma part. Non, ça n'a pas été réparé. La réalité quand même est que, effectivement, le serveur a pris un coup depuis vendredi. Donc ça cause des problèmes dans le travail, la perception justement des droits des recouvrements. Douanes, les recouvrements au maximum de son potentiel, même si on nous dit qu'il y a du petit travail qui se fait. Ouais. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a un problème. Donc on a perdu pratiquement le vendredi et hier lundi. Donc aujourd'hui, est-ce que ça continue? Il y a un problème et on nous parle d'une question de mise à jour donc du serveur, parce qu'il doit y en avoir deux, un serveur principal à la direction des de l'informatique. Et un autre serveur du côté de l'aéroport qui prend souvent le relais quand il y a des problèmes. Donc, est-ce que c'est par défaut? Par négligence. Négligence, donc par défaut d'actualisation, de mise à jour, que cet incident arrive et donc qui porte un coup sur, si vous voulez, l'atteinte des objectifs. Parce que c'est au jour le jour que les objectifs qui sont assignés à la douane sont comptés, sont comptabilisés. Bien. Donc si on perd déjà 24 heures, ça fait beaucoup de choses. 48 heures finalement. Et donc ça peut permettre aussi à d'autres de se faufiler entre les mailles en termes de déclarations mensongères et tout le reste. Bien. Donc il faut qu'on suive ça de près. Bien, ce qui reste vrai, c'est que c'est technique. C'est une panne technique, ça arrive. D'accord. Ça arrive. Même ici, ça arrive tous les jours. C'est vrai. On n'avait pas de lumière hier. Oui, c'est vrai. Pour terminer, Bakar, les hommes souffrent. Je ne sais pas si vous souffrez, si madame vous embête. Talibé, c'est quelque chose. Doyen Indian ne respire plus à la maison. Emmanuel. Je vais comprendre. Non. Qu'est-ce qui se passe? Mais ça ne va qu'est-ce pas. Qu'est-ce qui vous étrangle, monsieur? Mais ça ne va pas, Bakar. L'oignon est devenu plus cher en Guinée que le riz. Un sac d'oignon. Il verse toujours dans le catastrophisme. Oui, mais Emmanuel, Bakar, c'est pas Lincoln. Ça. C'est pas le possible. Femme nous embête. Les dépenses sont la poupette. On n'a plus d'argent. Un sac d'oignon coûte actuellement 600 000 francs. Ouais, j'ai vu cela. Quelqu'un, j'ai vu, je pense que c'est une dame, c'est Marie-Louise qui m'a confirmé cela. En tout cas, une dame du film et qui m'a dit que un morceau d'oignon est passé de 2 000 à 5 000. Alors, je ne sais plus. Je 5 500. Alors, moi, je vous dis, parce que j'ai tous les détails. Un sac d'oignon coûte plus de 600 000 francs. Comment ça, tu as tous les détails? Est-ce que tu vas au marché? Mais bien sûr, parfois. Je donne la popote, ma femme m'embête. Bien. C'est-à-dire, un sac coûte le prix de deux sacs de riz, un sac d'oignon. 600 000 francs. Alors, guinéens. C'est quoi le comparatif? À quel moment ça coûtait tant et aujourd'hui, je veux un comparatif. D'accord, le tableau est simple. Bien. À un moment donné, il y a Siao qui importait l'oignon en Guinée. Ça coûtait 250 000 à 280 000 francs. Le sac. Le sac. Ouais. Et on donnait ça à tous les commerçants. Le sac de 50 kilos. De 50 kilos. Bien. 250, 280 000 francs guinéens. Mais j'ai appris que certains commerçants, notamment du côté de la chambre de commerce, ont fait des démarches pour retirer ce marché. Mais aujourd'hui... Retirer ou casser le monopole. Non. Alors, ce qui s'est passé, c'est que le gouvernement Goumou avait décidé à un moment donné de casser le régime de transition. De casser les monopoles. Mais aujourd'hui... Justement, de la fin du monopole, c'est au moyen de bonjour, stabiliser les prix. Bonjour, bonjour à Bakar. Au moins, c'est de pouvoir stabiliser les prix. Si
au moment où Siao avait le monopole, le sac était vendu 250 000 et aujourd'hui 300 000 francs. Et si le monopole a été cassé, quel en a été l'effet bénéfique? Oui, c'est la question qu'on peut se poser. Peut-être que c'est dans cette logique, en tout cas, on a vu ce communiqué du ministère de la ministre du Commerce. Voilà. Et je voulais retrouver ce communiqué. C'est quand même ahurissant. Et finalement, pendant 6 mois, on ne peut rien exporter de la Guinée en termes de produits alimentaires. Oui, bien sûr. Pas de fonio, pas de taro, pas de, de ceci ou de cela. Tout est sous cloche en Guinée. Oui, parce que ce sont des denrées de première nécessité. Très importante, qui ne couvre pas la demande intérieure. Et donc, si ces denrées sont exportées pendant que les Guinéens en ont besoin, bien. Cela va entraîner Talibé, forcément. Si tu permets, parce que c'est important de le mentionner, on va citer le riz. Le communiqué est ainsi libellé. Le ministère du Commerce et de l'Industrie informe l'ensemble des populations que l'exportation du riz, de l'oignon, de la pomme de terre, du piment sec, du piment frais, de l'aubergine, du gombo, de la tomate fraîche, du taro, du manioc, du maïs, des farines de manioc et de maïs, du fonio, de l'igname, de la patate douce, de l'huile rouge alimentaire. Et que sais-je encore, que l'exportation de tous ces produits est interdite pour une durée de 6 mois sur toute l'étendue du territoire national. Mais ça sert à quoi, Bakar? Les productions sont privées, il ne faut pas empêcher les gens de vendre leurs produits. Attention. Non, je vous dis, moi qui je finance mon champ, je la récolte et on m'interdit peut-être de vendre à Paul ou à Pierre. Ce n'est pas la solution. On parlait du cas de Doyen par exemple. À un moment donné, le sac Doyen coûtait moins cher. Ouais. Mais on dit casser le monopole, mais pour quel résultat? C'est-à-dire, si hier le Doyen était à 250 000, aujourd'hui c'est à 600 000. Qu'est-ce que l'État fait? En tout cas, pour que cette situation soit réglée. Ouais. Mais c'est très grave. Aboka, prenez un peu le cas du sucre. Je pense que le constat est que la Guinée ne produit pas assez d'oignons. Oui, mais s'il y a quelqu'un qui peut peut-être donner l'oignon aux Guinéens. À un prix abordable. Mais s'il faut donner tout le marché à ce monsieur pour que les Guinéens soient heureux, mais vous donnez à des gens pour que tous les Guinéens souffrent. Quel est l'avantage? Il n'y en a pas. C'est-à-dire, diriger aussi, c'est un peu... pourquoi pas anticiper. Aujourd'hui, à cause des intérêts égoïstes, tous les Guinéens souffrent parce qu'il y a des messieurs qui n'aiment pas voir d'autres profiter peut-être de leur commerce ou qui n'aiment pas voir déjà aider les Guinéens. Bien. Donc, allez un peu vers le sucre. Le sucre est aujourd'hui à 450 000 francs guinéens. Le sac? Le sac, oui. Et pendant le Ramadan, c'était à 350. Et c'est aussi un problème. Alors ce qu'on va faire, je pense que puisqu'on aura le MEF dans quelques minutes, on va lui poser toutes ces questions. Le ministre Moussa Cissé donc qui s'apprête à prendre la parole sur Film Guinée dans Mirador. Talibé, je disais bonjour. Vous êtes directeur de radio. Je pense que vous avez vu ce communiqué du BGDA circuler et qui vous est parvenu forcément, même un courrier. Toutes les radios et télévisions sont il est demandé à toutes les radios et télévisions de Guinée de payer, de s'acquitter des redevances d'exécution publique sur le compte du BGDA pour l'utilisation donc d'un certain nombre de produits de droits d'auteur. Et ça, c'est d'ici au 15 août. Oui, tout cela justement pour, couvrir la diffusion du répertoire guinéen mondial, en tout cas en termes de musique, dans nos différents médias. Mais vous savez, on a reçu, comme tous les autres médias, notamment les radios, ce courrier du BGDA. Sauf que à compter du 15 août, tout média n'ayant pas souscrit au BGDA pour l'acquittement de la redevance donc citée en référence, donc adressée et transmise selon la spécificité, sera dans l'illégalité, se verra par voie d'huissier le droit de faire suspendre uniquement la diffusion du répertoire guinéen et mondial pour le non-respect de la loi. Absolument. Je parlais donc de ces courriers qui avaient déjà été envoyés par le BGDA à différents médias. Nous en avons reçu, mais nous nous sommes posé un certain nombre de questions. Par exemple, quand vous prenez Film, je ne prêche pas pour ma chapelle. Ouais. C'est qu'on n'est pas situé sur les critères, justement, qui ont présidé à cette facturation, puisqu'on a eu l'impression que tout le monde a été aligné sur le même montant. Donc, aujourd'hui, on se pose des questions. Il n'y a pas eu suffisamment... de communication, suffisamment d'échanges entre le BGDA et les médias pour s'entendre ou en tout cas pour informer les médias des critères qui ont été
en tout cas, préférée pour que. Oui, parce que comme le rappelait tantôt Babé, nous ne sommes pas une radio musicale. Absolument. Voilà. Nous ne jouons presque pas de musique. On n'a qu'une seule émission d'animation. C'est Maxizik. Justement, le constat que j'ai fait, c'est que nous avons reçu la même facture que des radios qui font abondamment de musique. Ouais. Je disais dans un courrier qu'on a adressé au BGDA que nous faisons pratiquement moins de 5% de musique dans nos programmes. Absolument. Parce que nous sommes une radio d'infos en continu, info, émission. Ouais. Donc tout cela, ça veut dire que... Ce qui est vrai, par contre, Talibé, le BGDA n'est pas fermé au dialogue. Son DGA, Guissé, avec qui j'ai parlé directement, est prêt à vous recevoir. Mais le 15 août déjà, c'est déjà demain. Est-ce que d'ici là, on aura trouvé une solution? Toujours est-il que c'est le droit du BGDA bien. De demander que les consommateurs ou les utilisateurs justement des produits musicaux payent une facture, mais il faut une redevance. Une redevance, en tout cas en termes de une facture en termes de redevance. Ouais. Mais il faut que cela soit concerté, discuté pour que tout le monde soit au même niveau d'information. Bien, oui, Mamadou, pour en terminer. Ce qui me réjouit, c'est justement la réaction pédagogique du directeur de la radio-film, Talibé, justement, de savoir qu'il faut faire la part des choses dans l'écosystème médiatique. Il y a des médias qui sont comme film aujourd'hui et peut-être qui ouvrent cette voie, une radio thématique, donc 100% information. Quelques pourcentages, quelques places laissées à la musique, et vous l'avez dit, une seule émission qui fait de la musique. Et comment ça aussi se le fait? Parce que c'est pratiquement sur le digital, le plus souvent, il fait venir les auteurs même de certaines musiques, donc, qui viennent eux-mêmes sur le plateau. Secondo, vous avez le digital, le cabinet est là. Moi, j'entends parler du répertoire mondial. Comment est-ce qu'eux, ils reversent la part du répertoire mondial? J'imagine que c'est pour la musique, bien. D'ailleurs, qui n'est pas de la Guinée. Or, aujourd'hui, quand vous prenez un clip que vous diffusez, s'il y a le droit d'auteur là-dessus, automatiquement, vous ne pouvez pas diffuser sur votre plateforme. Donc, merci. Je crois que ça, c'est réglé déjà au plan mondial. Est-ce qu'ils gardent cet argent ici ou est-ce qu'ils le reversent ailleurs? On veut bien le savoir. Bien. Voilà, comme pour dire que l'entrepreneuriat en Guinée, c'est pas du tout de la sinecure. 9h25, ce film. Mirador, tour de chauffe. Nos chroniqueurs se déboutonnent sur le vif. Manu, à présent, donc, on s'intéresse à cette actualité majeure au plan économique dans cette transition en Guinée. Un haut dirigeant de la Banque mondiale, la personne du vice-président du groupe de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, la personne d'Ousmane Diagana, en visite de travail en Guinée depuis dimanche soir. Oui, une visite qui a quand même été entourée d'une très grande solennité de la part des autorités guinéennes, parce que le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre d'abord a été reçu par le Premier ministre lui-même à l'aéroport. Ouais. On a vu hier... donc, accompagné d'une forte délégation. Oui, d'une forte délégation, beaucoup de ministres d'ailleurs. Ouais. Hier également, tout le balai diplomatico-administratif qu'il a eu avec des ministres, la primature et même le président. Au palais M5. Lui-même. Donc, une visite qui vise un peu à revoir en quelque sorte le portefeuille de la Banque mondiale en Guinée, les projets qui sont en cours, mais également la perspective, évidemment, de s'intéresser à d'autres projets en Guinée. Ouais. Notamment, il a lui-même dit, la Guinée aujourd'hui est un pays qui a lancé beaucoup de chantiers d'infrastructures et dans ce sens, évidemment, la Banque mondiale est intéressée en termes d'accompagnement. Donc, c'est une partie de l'intérêt donc, de sa visite, mais également, en tout cas de ce que j'ai compris, la présentation aussi aux autorités guinéennes du nouveau représentant résident de la Banque mondiale. En Guinée, et il a été la nouvelle directrice des opérations. Voilà, ils ont aussi été donc présentés hier à l'ensemble donc des ministres, mais aussi en tout cas des autorités administratives guinéennes qui auront affaire à eux. Donc globalement, c'est un peu ça le portefeuille de la Banque mondiale. C'est un peu plus d'un milliard de dollars. Oui, depuis sur 19 programmes.
depuis des années déjà, il y avait évidemment beaucoup de... La Banque mondiale a beaucoup d'argent à disposition pour la Guinée. Mmh. Mais vous savez, l'éternel problème de l'administration guinéenne, c'est le taux de décaissement, la bancarisation des projets. Ouais. La Guinée, la capacité d'absorption. Voilà, c'est comme ça on appelle ça, la capacité d'absorption. La Guinée a une très faible capacité d'absorption donc, des fonds que la Banque mondiale alloue aux programmes et projets qu'elle finance en Guinée. Donc, cette visite vise aussi à revoir l'ensemble donc, de tout cet arsenal-là pour voir comment est-ce que, surtout avec cette nouvelle lancée dynamique, en tout cas cette nouvelle dynamique infrastructurelle qui est en cours, est-ce que cela peut permettre à la Guinée d'absorber le maximum de fonds possible et donc pouvoir bénéficier au mieux de l'apport de la Banque mondiale pour son développement. Bien, cabinet, un mot sur ce voyage du vice-président de la, du groupe de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre en Guinée. Oui, c'est une visite importante puisque ça permet de spécifier donc, les priorités stratégique de la Guinée et permettre donc à la banque de prendre en compte les demandes. Je m'excuse de t'interrompre, cabinet. On va aller sur le terrain pour joindre le ministre de l'économie et des finances à la personne de Moussa Cissé. Il est en direct. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour. Bienvenue sur FIM Guinée. Allez, Talibé. Monsieur le ministre, quels sont les objectifs assignés à ce séjour du vice-président de la Banque mondiale en Guinée? Merci beaucoup. Bonjour au plateau et à tous les auditeurs de FIM FM. Bien. L'objectif de la visite du vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, M. Ousmane Diagana, est d'abord de venir présenter la nouvelle gouvernance de la Banque mondiale pour notre pays, notamment la directrice en charge des opérations pour la Guinée, le Bénin, le Togo et la Côte d'Ivoire avec pour résidence Abidjan, et le nouveau représentant résident de la Banque mondiale en Guinée. Au cours de cette visite, comme vous le savez, la Guinée a déposé son instrument de ratification comme membre de la Banque mondiale le 28 septembre 1963. Et depuis cette date, la Banque mondiale a investi plus de 3 milliards de dollars en Guinée. Et aujourd'hui, le portefeuille actif est estimé à 1 milliard de dollars. Et dans le milliard de dollars, nous avons 19 projets, dont 12 projets nationaux, pour un montant de 745 millions de dollars et 7 projets régionaux pour un montant de 299 millions de dollars. Il y a 3 mois, avec la Banque mondiale, nous avons signé 3 accords de financement qui avalisent le montant de 206 millions de dollars. Avec tout cela et les perspectives économiques de la Guinée qui s'améliorent, notamment le revenu national brut qui s'améliore, les perspectives économiques mises à jour par le Fonds monétaire international qui classe la Guinée comme 5e puissance régionale en matière économique, avec un PIB estimé à 23 milliards de dollars, et le taux de croissance qui s'améliore, le taux d'inflation qui baisse, la monnaie guinéenne qui s'apprécie. Et je pense que cette visite avait son sens pour venir discuter avec les autorités guinéennes. Ouais. Il a été reçu par le Premier ministre, par le Président de la République, pour faire un état des lieux, écouter, parce que la banque n'est pas seulement une institution de financement, c'est aussi une institution de conseil. Conseil bien. Par rapport à quoi? Il s'agit de savoir exactement quels sont les impacts de tous ces financements de la Banque mondiale sur le panier de la ménagère, sur ce qu'on est en train de travailler. Ouais, c'est important, puisque vous-même, vous lâchez le mot, l'impact de tous ces financements, de ces projets sur le quotidien du Guinéen. On va s'arrêter là-dessus un moment, avec un point d'orgue, la question de la gestion de ces projets. Qu'en est-il exactement? Est-ce que tous ces projets sont gérés de manière adéquate, de manière efficiente pour qu'ils puissent avoir tout leur impact sur justement le quotidien du Guinée? Alors, il faut le saluer parce que la Guinée a été le premier pays du groupe de la zone de la directrice des opérations à mettre en place un programme d'évaluation des projets. Très bien. D'ailleurs, ce matin à 10h, nous commençons l'évaluation à mi-parcours de tous les coordonnateurs du portefeuille de la Banque mondiale pour savoir quels sont les coordonnateurs qui ont été performants,
quelles sont les difficultés, parce que la difficulté peut être de deux ordres. Oui. Ça peut être du côté guinéen, comme si ça peut être aussi du côté de la Banque mondiale, parfois par rapport aux avis de l'objection donnée sur certains projets ou la définition de certains projets. Le vice-président l'a d'ailleurs souligné, il y a certains projets pour lesquels nous avons hérité. Si ces projets-là ne répondent pas à nos préoccupations et à nos priorités, nous pouvons les mettre sur la table, rediscuter oui. pour que ces projets-là puissent avoir un impact direct sur la vie de la nation. Très bien. Oui, Mamadou. Monsieur le ministre, pour une compréhension assez simple et basique, est-ce que ce portefeuille de la Banque mondiale pour la Guinée est de nature, je veux dire, est fait 100% de prêts et de quel type, ou est-ce que c'est en partie aussi des dons qui sont, si vous voulez, consacrés à des questions de vulnérabilité, de protection sociale, questions de santé publique ou questions de alimentaire et autres? Le plus souvent est un financement combiné. Vous avez une partie prêt et une partie don pour bonifier. Mm-hmm. C'est ce qu'on appelle les prêts de l'enveloppe IDA. Mm. L'enveloppe. Eh bien, oui, allez-y. Allez-y, monsieur le ministre. Quelques petits soucis. Ouais. Allô. Allez-y, monsieur le ministre, vous êtes à l'antenne. Comme les perspectives économiques de la Guinée s'améliorent, nous allons rentrer dans la discussion du nouveau cadre de partenariat stratégique avec la Banque mondiale. Et c'est la mission principale de la nouvelle directrice des opérations. Parce que je le dis tantôt, et je l'ai dit d'ailleurs hier au vice-président de la Banque mondiale, il faudrait que la Guinée aussi puisse améliorer circonstanciellement son portefeuille. Parce que si vous faites le ratio projet pays aujourd'hui, ouais. nous sommes derrière la Côte d'Ivoire, nous sommes derrière le Sénégal, nous sommes derrière même le Mali. Parce que pourquoi au Sénégal, en Côte d'Ivoire, le ratio projet pays est à 150 millions. Au Sénégal, ils sont à 111 millions. Au Mali, ils sont à 56 millions. Quand nous étions en 37 et 47 millions. Donc, dans le nouveau cadre de partenariat stratégique, il faudrait que nous puissions accéder à des financements consistants, ouais. même si c'est dans deux, trois secteurs, que ces financements-là puissent être gros montants pour permettre d'adresser les questions de développement de la ville. Bien. Monsieur le ministre, est-ce que ce faible ratio pays donc ne s'explique pas par justement la faible capacité d'absorption ouais. Justement de la Guinée ouais. en termes de financement. D'ailleurs là-dessus, quel est le niveau de capacité d'absorption de la Guinée sur tous ces financements de la Banque mondiale? Nous avons amélioré, nous sommes à 25% aujourd'hui. Il faut savoir qu'après le 5 septembre, la Banque mondiale a suspendu ses opérations. Elle ne s'est pas désengagée comme elle le fait dans d'autres pays. Dans d'autres pays, elle se désengage, elle ferme le bureau. En Guinée, après le 5 septembre, il y a eu une suspension, mais qui a été très rapidement levée grâce aux mesures fortes que le président de la République, le CNRD, le gouvernement ont mis en place. Et à cause de cela, la Banque mondiale a levé la suspension. Mais cela a eu un impact sur la mise en œuvre des projets, ce que nous sommes en train de rattraper. Allez-y, cabinet. Mais, monsieur le ministre, vous disiez tantôt que la banque vous laisse la possibilité de revoir les projets dont vous avez hérité. Est-ce qu'on peut aujourd'hui avoir une idée des axes prioritaires qui vont donc qui seront contenus dans cet accord global que la Guinée va devoir présenter à la Banque mondiale? Je vous souhaite très simplement, si j'ai bien compris, les axes prioritaires que nous voulons définir avec la Banque mondiale aujourd'hui. Et la banque s'est désengagée dans beaucoup de pays sur le secteur des routes et sur le secteur de la construction de barrages hydroélectriques. Aujourd'hui, nous estimons que ce tabou-là devrait être levé. La banque devrait revenir à ses anciens amours pour financer les routes et financer les barrages hydroélectriques, surtout que nous parlons de changement climatique. Ouais. La Guinée est un pays qui a beaucoup de barrages, qui a beaucoup de cours d'eau. Et les barrages qui sont construits aujourd'hui, c'est très bien, mais on a besoin de beaucoup d'autres micro-barrages à l'intérieur du pays pour donner de l'électricité au pays. L'électricité est un instrument de soutien à la croissance. La route est un instrument de soutien à la croissance. Donc, dans le cadre de la définition de nos nouvelles priorités avec la banque, nous allons mettre beaucoup d'accent sur ces secteurs-là, mais aussi et surtout l'employabilité des jeunes pour avoir une capacité d'absorption de tous ces financements. Bien. Dernière question, Lincoln. Monsieur le ministre, changer de sujet. L'économie guinéenne est en bonne santé, la monnaie s'apprécie bien, l'inflation maîtrisée, tout cela on annonce, mais tout cela ne se ressent pas sur la vie des Guinéens. Aujourd'hui, sur le panier de la ménagère. Le panier de la ménagère, nous parlons des prix qui flambent. Un sac d'oignon qui est à 600-700 000 francs guinéens, et le sucre qui double, mais pratiquement
pour les profanes que nous sommes, on ne comprend pas cette bonne santé économique de notre pays. Aidez-nous à comprendre. Alors, le président de la République l'a signifié hier au vice-président de la Banque mondiale que les données sont très bonnes, mais il faut que les données soient faites dans le panier de la ménagère. C'est pourquoi je vous disais tantôt que l'objectif de la visite du vice-président est de travailler avec le conseil stratégique de la banque pour que nous puissions améliorer les conditions de vie des populations. Mais il faut noter que la Guinée n'est pas producteur de sucre, la Guinée n'est pas producteur de pétrole. Le riz, nous avons amélioré, on est deuxième producteur africain de riz aujourd'hui. Et il faut savoir aussi que la Guinée a mis beaucoup de mesures en place. Il faut, au niveau du port autonome de Conakry, au niveau de la douane, nous avons volontairement renoncé à plusieurs recettes pour pouvoir améliorer le panier de la ménagère. Cela depuis le Ramadan de 2022, le Ramadan de 2023, des efforts ont été faits au ministère du Budget, au ministère du Commerce pour amoindrir le coût de la vie, notamment avec la crise en Ukraine, pour que le panier de la ménagère s'améliore. Mais aussi, il faut connaître que le niveau de vie du Guinée a quand même augmenté. Toutes les routes qui s'ouvrent là, et si vous prenez, vous regardez l'environnement économique aujourd'hui, la consommation a augmenté. Nous avons harmonisé l'industrie prix sur toute l'étendue du territoire et c'est ce qui nous a d'ailleurs permis de mesurer le niveau d'inflation aujourd'hui du pays, qui était de 12 en 21 et de 10,5 en 2022 et aujourd'hui nous sommes à 8,6%. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que le Guinéen consomme et cette consommation en est tributaire d'autres choses, mais l'amélioration des conditions de vie, des mesures macroéconomiques qui ont été prises. Quand le franc guinéen s'apprécie par rapport à la principale devise qui est le dollar, c'est comment ça a des impacts sur le panier de la ménagère. Quand vous faites la route, un commerçant, j'aime bien cet exemple-là, le transporteur qui quitte Zéro-Corée avec son alloco banane pour Conakry, qui mettait un jour et demi pour arriver à Conakry avec une perte estimée peut-être de 2 tonnes sur 5 tonnes et qui répercutait le prix de cette perte-là sur la marchandise. Aujourd'hui, il quitte à Zéro-Corée le matin, il est à Conakry dans l'après-midi avec les mêmes 5 tonnes. Ce qui fait d'ailleurs que le Guinée est en mesure aujourd'hui de s'offrir un certain nombre de biens. Donc toutes ces mesures-là doivent être combinées, devront travailler en bonne intelligence avec la Banque mondiale, avoir les meilleurs exemples possibles pour que réellement, ces données-là se reflètent. Malheureusement, monsieur le ministre, malheureusement, j'ai envie de dire, parce que la réalité est là, la réalité, justement, c'est ce dont parlait tantôt Lincoln, c'est l'exemple est là, il crève les yeux, c'est le prix du sac d'oignon. Monsieur le ministre, il a plus que triplé, j'ai envie de dire, il a presque triplé, c'est ce que je voulais dire. Comment on peut s'expliquer un tel état de fait? C'est ce que le Guinéen lambda veut comprendre et quelles mesures pour, en tout cas, arrêter cette flambée des prix sur le marché? Alors, la flambée du prix, notamment liée peut-être au sac d'oignon, et le ministère du Commerce a des inspections dans les marchés, nous allons pouvoir vérifier pour éviter aussi la spéculation en la matière. Il faut savoir qu'il y a des commerçants qui spéculent et qui n'appliquent pas le prix tel qu'il est défini en relation avec le ministère du Commerce. Nous mettrons en place des inspections pour vérifier cela. Bien. Voilà, on n'a plus qu'une minute. On va laisser partir le ministre de l'Économie et des Finances. Oui, monsieur le ministre, j'ai cru vous avoir entendu dire que la Guinée est classée 5e puissance régionale. De quoi parlez-vous, monsieur le ministre? Alors, vous savez, il y a ce qu'on appelle les perspectives régionales que la banque, le FMI met à jour par rapport au PIB, par rapport à l'appréciation des monnaies. Et c'est dans cette perspective économique mise à jour, le Nigeria reste toujours à la tête du peloton. Et la Côte d'Ivoire est en train de talonner le Ghana, parce que le Ghana a eu des difficultés récemment, notamment liées à la déflation du silice ghanéen. Et le Sénégal conforte sa position. La Guinée est devenue 5e puissance parce que il faut aussi comprendre qu'avec le Simandou, sur lequel nous sommes en train de travailler, si nous intégrons toutes ces données macroéconomiques dans l'économie guinéenne, et je pense que nous allons lancer le Sénégal sur la 4e place. Eh bien voilà. Bien, Mamadou, voilà. Il a toutes les questions. On ne vous a pas tous les jours, donc j'en profite. Effectivement, vous n'êtes pas le ministre du budget, mais certainement vous en avez comme info. Quel est le niveau de la dette intérieure aujourd'hui? Parce que c'est important. Quand on parle de la frilosité de l'économie locale, ça parle aussi de la dette intérieure. Alors, est-ce qu'on peut en avoir une idée?
La dette intérieure. Oui. Il y a, je vous ai toujours expliqué, la dette, pour la dette intérieure, nous avons mis en place, en relation avec l'Agence française de développement, un audit. Et cet audit-là est toujours en cours, c'est à la suite de l'audit, où, au fur et à mesure, nous procédons au désintéressement de ceux qui ont des dettes qui ont été effectivement auditées et qui font l'objet d'un protocole d'accord entre l'État et le créancier. Donc ce travail-là est en cours. Et aujourd'hui, et si vous voyez dans le paiement même des arriérés, en 2022, nous avons pris l'engagement de remettre dans le budget de l'État, en loi de finances, les arriérés de l'exercice précédent. Et c'est le même exercice qui continue, tout cela dans le sens de soulager les entreprises locales qui participent à la relance de l'économie. Donc est-ce que le niveau de désintéressement est assez accéléré aujourd'hui? Est-ce que c'est un rythme dynamique? Si on le comprend bien, il faut attendre la fin des audits. Il suit son cours parce qu'il faut que les créanciers aussi puissent justifier de la réalité, de la véracité de leurs créances sur l'État. Il y a des documents qui sont demandés, qu'il faut fournir. Ouais. Et l'audit est en cours. L'audit n'est pas conduit par la Guinée. On a donné ça à un cabinet indépendant pour être juste. Bien. Et enfin, quand est-ce que vous allez déposer le projet de LFR à l'Assemblée nationale, au CNT? À quand la LFR? Vous savez, il y a un calendrier budgétaire qui a été défini par la loi organique relative aux lois de finances. Le ministre du Budget est en position de mettre en œuvre ce calendrier-là. Il a présenté le cadre budgétaire à moyen terme au gouvernement qui a été adopté par le Conseil des ministres. Et le dépôt au CNT a été fait. Nous attendons la convocation. Très bien. Il ne reste plus qu'à vous dire un grand merci à M. Moussa Cissé, ministre de l'Économie et des Finances, qui était en notre compagnie ce matin pour notamment évoquer le voyage en Guinée, le séjour en Guinée du vice-président du groupe de la Banque mondiale, Ousmane Diagana. Grand merci à vous, M. le ministre, M. Moussa Cissé. C'est à moi de vous remercier. Merci, ce fut un plaisir. Allez, on va poursuivre notre émission. Talibé, on vient de l'écouter. Lincoln, je ne sais pas si vous êtes satisfait ou pas sur la question du panier de la ménagère en lien avec la flambée du prix d'un certain nombre de denrées alimentaires, de première nécessité. Non, pour le panier de la ménagère, je ne suis pas convaincu puisque beaucoup de mesures ont été annoncées sur votre faim. Sur ma faim depuis que ces autorités sont là. À un moment donné, il y avait la stabilité, mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas puisque les prix flambent. Abakar, à part le riz et l'huile, les autres prix sont incontrôlables. Oula. On parle, oui, de l'état des routes. Tout à l'heure, on parlait du cas d'Oignon. Mais aujourd'hui, vous pouvez voir un prix, c'est-à-dire un article qui coûte à 100 francs. Demain, le même article peut coûter 1000 francs, 10 000 francs. Et par exemple, interdire l'exportation, ce n'est pas la solution. Ouais. Dans tous les pays du monde, on cherche à avoir les devises. Mais est-ce que interdire l'exportation, c'est la solution? Non, pas du tout. Mais aujourd'hui, d'autres mesures devaient être prises. Non, si. Moi, je ne. Ibrahim Sol Lincoln, nous sommes solution. En pleine saison pluvieuse. Il y a la période qu'on appelle la période de soudure. Oui. En Guinée, qui est une période très dure, qui risque d'entraîner une flambée des prix. Alors, ces produits, justement, que nous consommons au quotidien, le piment et autres. Si ça ne couvre pas, si la production actuelle ne couvre pas tous les besoins, justement, des Guinéens, la consommation locale, autant, à mon avis, donc, en interdit l'exportation, pour le moment, le temps que nous sortions de cette période difficile. Moi, j'apprécie cette mesure, bien. Parce qu'il ne faut pas alimenter les autres pendant que nous en manquons ici. Il faut, diminuer les tracasseries routières. Aujourd'hui, on parlait hier du cas de la moyenne Guinée. Si des produits doivent quitter la baie pour Conakry et que il y a à chaque endroit vous avez un barrage, les policiers, mais les gendarmes. Mais non, Nicole, il y a moins de barrages maintenant. Vous avons fait le trajet ensemble, il n'y a pas de barrage. Pour les transporteurs, il y a peu de barrages. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de barrage, mais il y en a peu. Nicole, c'est ça aussi la réalité. Non, c'est que vous ne comprenez pas. Bien, oui. Vous étiez en 4-4. Pour les transporteurs, il y en a. Abakar était en 4-4. Voilà. Vous n'étiez pas dans un camion qui transporte les marchandises. Donc c'est différent. Prenez le taxi, vous comprendrez, il y a combien de barrages entre Conakry et Cancan. Mais il n'y a pas de cordes, mais il y a des barrages. Tous ces barrages mobiles-là demandent de l'argent aux chauffeurs qui transportent des marchandises. Donc on devrait plutôt. On va faire l'expérience. Je vous envoie l'expérience. Un week-end, on va faire l'expérience. Les prix. Oui, Maman Dudia. Vous voyagez en taxi. Bien, oui, bien sûr. C'est ça que je fais parfois. En 4-4, il a pris le taxi Kindi à l'abbé. Nous comprenons ce qui se passe. Journaliste du bas peuple. Bien entendu. Allez-y.
Je pense qu'il faudrait que la gente prenne le taureau par les cornes pour nous éviter des émeutes de la faim. De la faim. Parce que en 2004. Les émeutes de la faim. Oui, en 2004, les gens s'attaquaient à des camions qui Absolument. Transportaient le riz ici. À l'époque, Lansana Conté avait convoqué les commerçants. Il leur a dit : j'ai fait de vous des milliardaires parce que je ferme les yeux sur vos trafics. Attention, revoyez les prix. Bien. En Guinée, les gens, ils abusent. Aujourd'hui, le kilogramme de pommes de terre, c'est 20 000. Cette interdiction dont on parle, s'il n'y a pas de suivi, vous verrez que les prix vont continuer parce qu'il y aura de la spéculation. Ouais. Le Guinéen, quelque part... Alors que le gouvernement a accordé quelque part un sans-cœur. Non, alors j'ai peur du Guinéen. Le gouvernement, j'ai peur. Abakar, le Guinéen, gens, ils abusent. Abakar, le gouvernement a pourtant accordé... Le Guinéen n'est pas quand même un monstre. Mais, parce que... Abakar, je veux dire, la pomme de terre dont on parle, le gouvernement a accordé une subvention de plus de 25 milliards justement à 50 milliards à la filière pomme de terre milliards. Et donc on ne peut pas comprendre ça ne sert à rien. On investit autant d'argent pour que le marché extérieur soit alimenté, le marché notamment le marché du Sénégal et du Mali. Allez-y, oui, cabinet. Non, je crois qu'il faut vraiment prendre au sérieux cette alerte de Doyen Dian vis-à-vis de la possibilité des émeutes de la faim. Je pense que de la même manière qu'il y a des risques d'émeutes. Oui, parce que la vie est devenue très dure pour nombre de Guinéens. Absolument. Très dure. Il y a une possibilité de combinaison entre les émeutes de la faim et les émeutes du courant, je vais vous dire. Aujourd'hui, EDG est en train d'installer de manière, je ne sais comment, des compteurs après paiement dans les foyers. Notamment dans la commune de Ratoma, hein, la commune pilote. La commune pilote, il n'y a pas eu suffisamment de sensibilisation là-dessus, mais je vous assure, Aboubacar, Ça risque de péter. Oui, mais vous savez, on a toujours. C'est pas compréhensible quand on vous dit que les compteurs à prépaiement marchent en Côte d'Ivoire, au Sénégal et que ça ne marche pas en Guinée. Vous savez, ne pas prendre en compte l'aspect social de la desserte du courant pour l'État guinéen, c'est partir complètement de côté. Je crois qu'il faut beaucoup faire attention avec ces émeutes possibles de la faim, mais aussi du courant. Parce que installer crescendo comme ça et de manière où vous avez une augmentation de près de 400%, si je ne me trompe, du coût de l'électricité. Ouais. Moi, récemment, j'ai fait l'expérience. Je parlais même d'une augmentation de 1000%. Oui, c'est extraordinaire. Mais, parce que lorsque vous étiez à 2 millions, je parle, mais cette augmentation, elle est beaucoup plus prononcée chez les entreprises que dans les ménages. Oui. Dans les ménages, c'est beaucoup plus maîtrisé. Non, pas tout à fait. La stratégie globale, sauf si elle a changé. Pas tout à fait. Mais la stratégie globale, c'est une augmentation de 600%. Et on va par palier. Oui, justement. C'est un programme de redressement qui est en cours depuis. On va par palier. Et l'objectif, c'est d'atteindre une augmentation de 600%. Je voulais juste placer ce mot. Actuellement, les jeunes dans les quartiers passent tout le temps à surveiller les poteaux. Ils ne font plus rien. Ils surveillent les poteaux pour ne pas que les agents viennent monter. C'est cela. Viennent monter quoi ? Oui, viennent monter pour brancher les compteurs. Tous les poteaux sont gardés et les gens, certains même, ont des gourdins pour garder les poteaux. Eh bien ? Les poteaux sont devenus très précieux à Conakry. Oulala ! Vous savez de quoi je vous parle ? Allez, ainsi va donc ma Guinée. C'était donc notre première livraison, en tout cas dans le cadre de la première partie de Mirador en séjour. On marque la pause pour nos conseils achats. On revient dans quelques minutes pour continuer cette émission. On est déjà en plein bourre par rapport à notre menu. De toute façon, on revient dans quelques minutes. Chim FM. Avec Milkana, vivez des moments de bonheur et de douceur avec vos enfants. Offrez-leur le meilleur, les délicieux desserts Milkana. Découvrez leur nouvelle recette extra crémeuse, source de protéines, avec de vrais fruits mixés et du bon lait de vache. Comme avant, ils vous accompagnent toute la journée, même hors du frigo. Milkana, la force du lait, la force de l'amour. Excusez-moi, le gars, c'est pas grave. Désolé, c'était les entrées. Non, t'inquiète. Mais attends, vous avez tous quoi assurer aujourd'hui là ? Mais tu sais pas ? Non ? C'est la folie chez Mouna. Regarde. L'internet n'est pas un luxe. Mouna vous l'avait dit. Offrez-vous une connexion illimitée jusqu'à 20 mégas avec la fibre optique au prix de 690 000 francs guinéens.
Si, si, je répète, au vrai prix de 690 000 francs guinéens. Ce n'est pas beau ça? Et ce n'est pas tout. Mouna et Canal+, associez l'Internet à votre abonnement télé. Recevez vos programmes TV via MyCanal tout en profitant de l'illimité pour une seule facture. C'est seulement Mouna qui fait ça. Pour vous abonner, appelez le 95 ou écrire à vente@mounagroup.com. Mouna Group Technologies, nous faisons mieux. Sous réserve d'éligibilité et de raccordement à la fibre. Après sa vaste campagne de couverture par ses activités d'immatriculation et de réimmatriculation sous l'égide du ministère des Transports et la Direction nationale des Transports terrestres, DSD Guinée poursuit sa mission citoyenne en apportant aux usagers de la route des documents numériques et sécurisés dont entre autres les cartes grises, vignettes et autorisations de transport qui résistent aux différentes manipulations et vous permettent également de retrouver vos engins même en cas de perte ou de vol. Nous vous invitons dans nos 21 agences à travers le pays pour faire vos formations avant le 30 juin 2023, la date limite. Alors n'attendez plus, rendez-vous vite dans nos agences pour vous procurer des documents numériques et sécurisés afin de pouvoir circuler en toute sécurité tout en évitant les sanctions prévues dans le code de la route. Ce spot vous a été proposé par DSD en collaboration avec le ministère des Transports et la Direction nationale des Transports terrestres. Wello wello aduna tingi tingi ki do yiri salam lemone salam pom no kasahara ko salam mango ankali salam bunye non hey fi hodu hina salam jillado eni joni non ko hodu buranio hi ko no min kala ko ni zi salam no wela la mech salam julie gefi kala ko yidu donko salam souriez à la vie. Ma copine, j'aimerais bien que tu m'indiques ton dentiste. J'ai remarqué que tu n'as ni caries ni maux de dents. En plus, tes dents sont éclatantes et tu as une bonne haleine. Non, mais c'est très simple. J'utilise le dentifrice Airsun Triple Action. Et c'est cette pâte qui t'offre ce beau sourire. Mais oui, ma copine, j'en avais assez de pourrir mes dents avec toutes ces pâtes de mauvaise qualité. Désormais, avec les pâtes dentifrice Airsun Triple Action, Pro Complète, Aban Triple Action, c'est une simple action avec le plaisir de parler en public. Les pâtes dentifrice Airsun sont en vente partout en Guinée. Airsun, le vrai dentifrice qu'il vous faut. Alors, vous êtes plutôt salam orange, salam pomme, non, salam mangue peut-être, et salam ananas, pourquoi pas salam multifruits? Mais vous aussi, finalement vous préférez quoi? Moi, non, hey, j'aime tout, tous les jus salam, j'adore. Salam, des jus de fruits naturels pour tous les goûts. Salam, souriez à la vie. Girite girere la dia. Ora il est salam le mon dalé du mayenge. Salam pomdo. Il est fana. Salam mankorontalo. Ne ken salam gabi vitali do. Mon dieu l'ont tanya basa no taro. Il est connu. Connu ma kona boto pa. Il est mon kobo tu. Abe. Juste salam be du manye. Salam. Girite gine na ma. Dias me do la deni mena. Salam. Souriez à la vie. La Guinée se dote de classes préparatoires aux grandes écoles, les CPGE. Elles seront dédiées aux bacheliers les plus méritants sortant de tous les lycées de la République de Guinée. Implantées à Dalaba dans un cadre propice à l'exploration et la transmission du savoir, les CPGE constituent un tremplin vers des établissements partenaires prestigieux dans le monde entier, notamment au Maroc, en Côte d'Ivoire et en France. Elle concourt à la formation d'une élite d'ingénieurs aptes à prendre part à l'édification d'une Guinée rayonnante dans le concert des nations. La création des CPGE est une initiative du gouvernement à travers le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation. Pour plus d'informations, consultez le www.mesrs.gov.gn. We'll be right back.
En Guinée, en Afrique et ailleurs dans le monde. Surf de l'actu. Bonjour à toutes et à tous. Les réquisitions et plaidoiries débutent ce mardi dans l'affaire de trafic international de 7 kg de cocaïne. Le procès de Mariam Koulako Sidibé et Tierno Siresso s'est ouvert le 12 juillet au tribunal de première instance de Mafanko. Les deux agents commerciaux chez KMC Import Export ont été interpellés à l'aéroport international Ahmed Sek Touré en octobre 2022 avec la quantité de la dite cocaïne dissimée dans deux valises. Ensuite, un mandat d'arrêt a été décerné contre Carlos Vassino, propriétaire de la société KMC Import Export Sarles et son ami Domingo. Suite à la non-satisfaction des points de revendication contenus dans son préavis de grève en date du 6 avril dernier, le syndicat national de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique passe à la vitesse supérieure. Il déclenche une grève générale et illimitée dans toutes les institutions d'enseignement supérieur à compter de ce mardi. Dans son avis de grève déposé auprès des autorités, le syndicat invite l'ensemble des travailleurs concernés au respect scrupuleux du mot d'ordre de grève générale est limité. Cependant, le Cenasur, qui se dit fidèle au respect des procédures d'ouverture et de dialogue, reste disponible à toute négociation. Sur le continent, au Tchad, le président de la transition, Mama Idriss Déby, accorde un grâce à une nouvelle vague de 110 personnes jugées et condamnées après les manifestations du 20 octobre dernier. Elles avaient été condamnées pour des faits d'attroupement non autorisés. Pour finir, hier lundi s'est ouvert à Bruxelles le sommet Union européenne, communauté des États latino-américains et des Caraïbes, la CELAC. C'est le premier depuis 1915. Les crises à répétition ont éloigné les deux blocs privés de dialogue régional de haut niveau. Le retour d'une volonté politique des deux côtés de l'Atlantique permet l'organisation de ces retrouvailles. C'était tout pour ce soft de l'actu. Restez avec nous dans un court instant. C'est la deuxième partie de Mirador dans ce studio A de notre maison de radio avec le Gista Boubacar Diallo. Fim FM. Avec Milkana, vivez des moments de bonheur et de douceur avec vos enfants. Offrez-leur le meilleur, les délicieux desserts Milkana. Découvrez leur nouvelle recette extra crémeuse, source de protéines, avec de vrais fruits mixés et du bon lait de vache. Comme avant, ils vous accompagnent toute la journée, même hors du frigo. Milkana, la force du lait, la force de l'amour. Excusez-moi. Le gars, c'est pas grave. Oh, désolé, c'était les Non, t'inquiète. Mais attends, vous avez tous quoi à sourire aujourd'hui là? Mais tu sais pas? Non. C'est la folie chez Mouna. Regarde. L'internet n'est pas un luxe. Mouna vous l'avait dit. Offrez-vous une connexion illimitée jusqu'à 20 mégas avec la fibre optique au prix de 690 000 francs guinéens. Si, si, je répète, au vrai prix de 690 000 francs guinéens. Ce n'est pas beau ça? Et ce n'est pas tout. Mouna et Canal+ associent l'internet à votre abonnement télé. Recevez vos programmes TV via MyCanal tout en profitant de l'illimité pour une seule facture. C'est seulement Mouna qui fait ça. Pour vous abonner,
particulier, appelez le 95 ou écrire à vente@mounagroup.com. Mouna Group Technologie, nous faisons mieux. Sous réserve d'éligibilité et de raccordement à la fibre. Après sa vaste campagne de couverture par ses activités d'immatriculation et de réimmatriculation sous l'égide du ministère des Transports et la Direction nationale des transports terrestres, DSD Guinée poursuit. Mirador, la plus grande tribune politique de la Guinée, l'habitacle de la pluralité des opinions. Mirador, le grand safari de l'investigation journalistique. Aboubacar Diallo. Allez, deuxième partie de Mirador. Dans un instant, la parole à M. Lansana Yarsané, secrétaire général du Sénazur, par rapport à cette grève générale illimitée déclenchée à compter de ce mardi 18 juillet dans toutes les institutions d'enseignement supérieur de la Guinée. Le Sénazur, donc, qui, à travers un avis de grève qui a été émis hier lundi, pointe la non-satisfaction des points de revendication contenus dans le préavis de grève qui date du 6 juillet 2023. L'organisation syndicale de l'enseignement supérieur regrette, nous citons, les multiples tentatives sans succès de rencontrer la ministre de l'enseignement supérieur. Et cette organisation donc exige entre autres la signature sans délai du statut particulier des enseignants, l'engagement à la fonction publique des contractuels des institutions d'enseignement supérieur et des centres de recherche, l'immatriculation des contractuels à la Caisse nationale de prévoyance sociale. Pourquoi le Sénazur a-t-il décidé de passer à la vitesse supérieure? Cette grève sera-t-elle effectivement suivie par les enseignants et chercheurs de la Guinée? Ce sont des questions que nous nous posons dans un instant, que nous allons adresser à notre invité, M. Lansana Yarsané. Il est le secrétaire général du Sénazur. La CRIEF aussi, on en parle avec le cas de l'ancien Premier ministre, Dr. Kassori Fofana, qui reste en prison. Ainsi, on a décidé hier le juge Kovazu Manegui, malgré le plaidoyer de ses avocats, les explications de son médecin traitant et son interrogatoire sur son lit de malade. Et donc, rien de tout cela, donc, on a suffi à convaincre le magistrat de la nécessité de lui accorder un bon de sortie pour une évacuation sanitaire. Et le juge Kovazu Manegui qui a décidé donc de renvoyer au 20 juillet prochain les réquisitions et plaidoiries dans cette affaire. Il a par ailleurs démenti les avocats de l'accusé en ces termes. Il n'est même pas dans cet état. Au départ, il a usé des mimiques, mais nous lui avons posé la question, qu'est-ce qu'il veut? Il a parlé de façon audible et clairement en disant, Monsieur le Président, envoyez-moi à l'extérieur, a-t-il rapporté. Alors, en plus de son état de santé jugé inquiétant, le sort judiciaire de l'ancien PM Kassori Fofana est-il désormais scellé? Et dans la troisième partie de cette émission, vous entendrez Maître Dina Sampil, l'un de ses avocats. La société Bel Air Mining, lourdement punie par l'État guinéen, 7 millions de dollars américains, c'est l'amende qui aurait été infligée à la compagnie minière qui exploite de la bauxite dans la zone de Bofa par le bureau des évaluateurs quantité et qualité des minerais à exportation. Une amende qui fait suite au chavirement, il faut le rappeler, au mois de juin dernier d'une barge de la société déversant une forte quantité de bauxite dans les eaux guinéennes. Et dans la foulée, on se rappelle, les activités de la compagnie avaient été gelées, notamment du fait pour elle d'avoir dissimulé cet incident. On en parle avec nos investigateurs dans un instant. Et notre dossier d'enquête du jour consacré au fonctionnement de l'usine Frigia, l'usine Russal Frigia, après 6 ans d'arrêt dû à une grève du syndicat des travailleurs en 2012, l'usine Russal Frigia a repris timidement ses activités en 2018 grâce à l'implication de l'ancien régime. Les Russes, propriétaires de Russal, travaillent en étroite collaboration avec l'expertise ukrainienne pour faire fonctionner cette première unité usine d'alumine interafricaine. Et depuis février 2022, sur ordre du Kremlin, la Russie a envahi son voisin ukrainien. Une guerre qui dure depuis plus d'une année. D'où cette interrogation, la crise russo-ukrainienne impacte-t-elle directement ou indirectement le fonctionnement de l'usine Russal Frigia? C'est donc la question que nous posons ce matin. Des éléments de réponse à suivre avec notre investigateur Ibrahim Assouli Konsouma, qui a mené donc une enquête la semaine dernière sur la situation qui prévoit à Russal Frigia. Une enquête donc qui sera complétée demain avec son binôme Basseko qui sera sur ce plateau. Allez, avant de continuer, avant d'évoquer d'autres sujets dans cette émission, quelques réactions très rapidement avec ses auditeurs, notamment sur la page Facebook. Pour commencer, Muller Mazid Yang, je ne pense pas que c'est stabilisé du côté de
d'Ibrahim Sylla. En attendant, donc, on va se rabattre sur d'autres canaux pour retrouver donc ses réactions. Vous êtes très très nombreux à réagir ce matin. Abdoulaye Sougué, pour commencer, bonjour à Aboubakar et à mes parents de Nara Sougué. Aboubakar, la Guinée est un pays de la pyramide renversée. Chez les autres, on encourage l'exportation qui favorise la rentrée des devises. Mais chez nous, on interdit l'exportation pour un soi-disant baisse des prix. Et selon Abdoulaye Sougué, cet autre, Alia Konsoba, bonjour, nous vous félicitons pour tout ce que vous faites pour nous, Alia Konsoba, l'enfant de Dengré. Alpha Moussa Maka Djabi, ça n'arrive pas tous les jours. Et l'enfant béni de Alpha Moussa qui s'exprime. Bonjour à Bakar et à toute l'équipe. Quel plaisir d'écouter le très discret et efficace ministre Moussa Cissé. Pour le plus grand bonheur des auditeurs, il fallait le prendre pour 2 heures chrono non-stop. Il a l'exploit et le mérite de stabiliser l'économie de la Guinée pendant cette transition avec une capacité managériale exemplaire. Je suis impressionné et dépassé par sa sérénité et sa cohérence. Voilà qui est dit. Allez, cet autre, ce message transmis par Mamadouri. Bonjour à Bakar, singulièrement à tes collègues de la saison Barakuda. Le département du commerce, s'ils ne peuvent pas, ils n'ont qu'à rendre le tablier, car la population guinéenne souffre beaucoup par la mauvaise foi des commerçants. Un sac d'oignons coûte 2 fois plus cher que le riz avec nos richesses du sol et du sous-sol. Le Guinéen ne mange pas à sa faim, c'est pitoyable. Diallo Mamadou Siré depuis Fria Tabousi qui nous envoie ce message. Fode Baldé du côté de l'UFR, économiste spécialiste des questions donc du terrorisme. Toutes les mesures prises par le CNRD sont à l'image de l'immeuble qui s'est effondré. Ce sont des mesures effondrables et effondrées car trop légères et étant aux antipodes des nouvelles réalités du marché. Allez, cet autre aussi, Barry Mohamed Alpha depuis Madina. Bonjour à Aboubakar et bonjour à vos collègues chroniqueurs, singulièrement Talibé Barry, le Montesquieu de l'émission. S'il vous plaît, monsieur Aboubakar, la France est totalement absente en tant qu'ancienne colonie pour le retour rapide à l'ordre constitutionnel, contrairement aux États-Unis d'Amérique et la CEDEAO qui veille déjà sur le compte à rebours. Et monsieur Aboubakar, s'il vous plaît, il reste combien de mois dans ce fameux compte à rebours? Monsieur Diallo, ces 2 semaines ont été très bien géré par l'humeur de sa génération, M. Ibrahima Khalil, et ses amis dans le supplément. Allez, cet autre Yimérin, bonjour Aboubakar, il faut dire à monsieur le ministre que 4 bananes locaux coûtent 30 000 francs guinéens, 1 kilo de fonio à 20 000. Lamarane Yimérin, le villageois qui nous envoie ce message. Allez, cet autre aussi qui est à l'écoute depuis Cancan, Nabaya, Habib Orekoubi, patron des auditeurs de FIM Cancan, Nabaya. Au fait, nous rappelons au ministre de l'administration du territoire de la décentralisation, Mori Kondé, et son patron, colonel Mamadi Doumbouya, que Dengraï n'a toujours pas sa délégation spéciale depuis près d'une année. Une ville comme Dengraï, où tout est prioritaire, ne peut pas rester comme ça. Barry, le loup des colères qui est à l'écoute. Bonjour Titi, le paradoxe est guinéen, on casse le monopole pour doubler le prix des narés. Dieu nous sauve. Allez, je continue encore avec d'autres réactions, avec Imran Diallo qui revient. Bonjour Titi, amicalement à toute l'équipe. Bonjour à Koubia. Docteur Ibrahima Kassori Fofana est victime de son arrogance, de sa mauvaise gestion, de son comportement face au peuple de Guinée innocent. Il avait préféré l'ordre à la loi. Et nous revoilà encore sur le fatidique croisement du chemin, sans ordre ni loi. C'était le cerveau central, le chef d'orchestre du changement constitutionnel et le troisième mandat qui a fait tomber beaucoup de jeunes. Allez, cet autre aussi, l'avant-dernier, c'est bien Mohamed le Quinois. Bonjour le philanthrope, bonjour les sofas de la révolution médiatique. Où est-il le visage humain de la justice? La boussole du CNRD est vraiment grippée. Courage donc, car la justice divine surplombe tout. Mbote Nabino, Mbote Nayope, grand garçon. Allez, pour terminer ce message de Barry Abdoulaye Fougoumba, depuis cette fois-ci, depuis Conakry, voilà, qui a l'habitude de nous suivre depuis Monrovia, au Libéria. Bonjour Minador, pour ce qui concerne l'état de santé de l'ancien Premier ministre Kassori Fofana, pour moi, ce sont ses avocats et la CRIEF qui refusent de dire la vérité à l'opinion. Et cette manière de défendre et de gérer le dossier d'un accusé crée trop de confusion dans l'opinion publique et c'est dangereux. Estime Barry Abdoulaye Fougoumba. Plus de réactions un peu plus tard. Mirador continue, Babé.
Mirador, la plus grande tribune politique de la Guinée. L'habitacle de la pluralité des opinions. Mirador, le grand safari de l'investigation journalistique. Aboubacar Diallo. On va s'intéresser donc à la nouvelle politique africaine de la France. La Guinée qui a un nouveau statut et qui rejoint donc le cercle fermé des pays prioritaires dans la nouvelle politique africaine de la France. Effectivement, l'annonce a été faite donc le 13 juillet dernier, donc la veille du 14 juillet qui est donc la fête nationale de la France. C'était donc à la résidence de l'ambassadeur de France en Guinée. Effectivement. Devant un parterre d'invités, des membres du gouvernement, d'acteurs de la société civile, ouais. Acteurs politiques. Et donc l'ambassadeur de France en Guinée donc a donc fait l'annonce que la Guinée est désormais incluse dans la liste des pays prioritaires de la nouvelle politique africaine de France. Ouais. Et justement, c'est quoi déjà la nouvelle politique africaine de France? Il faut savoir que c'est d'abord la nouvelle vision africaine d'Emmanuel Macron. Cela est à rappeler, d'autant plus que depuis qu'Emmanuel Macron est venu, il voulait que la politique entre l'Afrique et la France soit plus réaliste, plus respectueuse et plus offensive. Ouais. Et donc, elle vise à avoir, selon Macron en tout cas, une politique plus simple, plus lisible, qui fait mieux travailler les services de l'État français et de ses partenaires, mais surtout une politique qui assume de travailler pleinement avec la société civile, les entrepreneurs, les artistes, les sportifs, une nouvelle relation décomplexée avec l'Afrique qui est donc au cœur du discours d'Emmanuel Macron depuis qu'il est arrivé. Bien. Et cela s'est matérialisé par quoi? Vous vous en rappelez certainement, par ce sommet France-Afrique qui s'est tenu, si je ne me trompe, Afrique-France. Donc, ou l'inverse, qui s'est tenu donc le 8 octobre 2021 du côté de Montpellier, et Ali Ouba, qui est notre compatriote guinéen, a pris part à cette rencontre où Emmanuel Macron n'a invité que des jeunes sur le continent, ouais, issus de la sphère politique, société civile, et qui rompaient ainsi avec pratiquement 42 ans de tradition, qui voulait que ce soit les chefs d'État africains qui viennent à la rencontre donc du chef d'État français pour échanger, ouais, sur l'évolution donc des relations entre l'Afrique et la France. Depuis lors donc, il a rompu avec cette tradition. Avec la France-Afrique. Avec cette France-Afrique. Donc, et quand vous écoutez le discours de l'ambassadeur, il a dit que ça c'est dans le cadre de ce que eux ils appellent dans leur jargon, ouais, l'agenda transformationnel issu du nouveau sommet Afrique-France. Donc, qui s'est tenu à Montpellier, dont je venais de parler. Bien. Donc, quand on dit que la Guinée est dans cette liste, il y en a qui se posent la question, est-ce que ce n'est pas un soutien direct à la junte? Est-ce que la France n'est pas dans le double jeu? Bien. En réalité, c'est une logique qui se poursuit, parce que depuis le sommet de Montpellier, cet engagement a été pris par Emmanuel Macron de travailler directement avec ces entités-là, qui sont des acteurs sociaux, des acteurs politiques, des entrepreneurs. Bien. Donc, j'imagine que c'est la même logique qui continue, que c'est ce que l'ambassadeur, ouais, a employé. Maintenant, pour le reste du discours où il a parlé de l'effort des uns et des autres, quand il a parlé par exemple de serment, qui est que de chaque côté, on fasse en sorte que la transition arrive à son terme, ouais, dans le délai prescrit, le délai imparti, ouais, pour le bonheur de tous les Guinéens. Et de leur côté, en tant que pays partenaire, dans le cadre du partenariat bilatéral, feront leur mieux pour ce qui peut être en termes d'action directe pour les populations, mais, ouais, aussi en termes d'appui peut-être pour le gouvernement, pourvu que la transition se tienne bien, mais pourvu aussi que ce serment du côté des autorités, ouais, soit tenu, respecté. Ouais. Soit respecté. Bien. Et ça veut dire quoi? Vous savez, il y a l'AFD qui est là, l'Agence française de développement, qui est une agence traditionnelle qui est implantée ici et donc qui peut apporter souvent des appuis d'ordre divers, que ce soit budgétaire ou direct pour les populations. Je pense qu'ils vont pouvoir redynamiser justement, ouais, ce portefeuille que l'AFD a et d'autres institutions que la France a pour travailler. Et je pense que c'est une bonne nouvelle d'abord pour ces entités dont j'ai parlé. Ouais. La société civile par exemple, les ONG, mais aussi les entrepreneurs. Moi je me rappelle que j'appartiens à une entité qui a déposé une idée de projet au bureau de l'AFD ici en Guinée. Malheureusement, ce n'était pas leur priorité en ce moment. Ouais. Donc quand on fait ce genre d'annonce, ça réveille donc de l'espoir, bien, chez ces entités d'abord et avant tout que chez les autorités. C'est ma compréhension en tout cas, bien dit, de cette sortie. Bien, que peut-on savoir de plus sur ce nouveau statut
que la Guinée a désormais dans la nouvelle politique africaine de la France. Quelle incidence ? Non, mais l'incidence, ça participe en fait de cette approche de désinstitutionnalisation, disons, des relations entre la France et les pays africains. Ouais. Vous savez, Ouri l'a rappelé, lors de ce sommet-là, même les mots ont leur sens. De France-Afrique, on est passé d'Afrique-France et il a été mis en avant des gens qui ne sont pas des institutionnels en tant que tels. Ce n'est pas les chefs d'État, c'est plus les acteurs sociaux, les artistes, les chercheurs. Bien entendu. Rappeler parce que l'objectif aussi. Voilà, comme pour, dire qu'il faut orienter l'aide, le soutien tout, de toute nature de la France en direction des acteurs, des bénéficiaires directement. Exactement, ouais. Puisqu'il est souvent reproché aux différents plans, disons, de développement, que c'est beaucoup plus les chefs d'État ou les gouvernements que l'on enrichit et que la société civile et les autres acteurs. Les acteurs eux-mêmes. Eux-mêmes ne sont pas là. Vous voyez, aujourd'hui, la Guinée, en se positionnant dans ce cadre-là, va avoir tout de suite des projets à financer, ouais, au niveau de la société civile. Et d'ailleurs, l'ambassade de France a commencé des activités dans ce sens. Moi, j'y ai participé récemment à mettre en place ce qu'ils appellent un peu le conseil de la jeunesse. Et ce conseil de la jeunesse va donc porter des projets à travers, disons, les différents opérateurs qui existent au niveau de l'ambassade de France, ouais, l'AFD et d'autres. Ils sont, je crois, une dizaine qui vont donc financer des projets d'acteurs sociaux et des entrepreneurs. Et ceci va être un peu dans les domaines diversifiés et qui vient donc en appui de cet engagement de changer un peu les relations, ouais, de la France avec l'Afrique. Bien, Manu, très rapidement, est-ce que le fait d'intégrer la Guinée, de la positionner sur la liste des pays prioritaires dans la nouvelle politique africaine de la France, est-ce que cela témoigne d'un soutien de l'Hexagone, de Paris à la jeune guinéenne? En tout cas, ça fait longtemps que la Guinée n'est pas... Parce qu'il y a quand même un débat là-dessus, hein, oui, dans l'opinion. Il y a quand même longtemps que la Guinée n'est pas dans ce cercle. Oui. Donc oui, c'est à la limite, c'est un constat. Oui. Est-ce que c'est forcément vu comme un soutien? De toute façon, est-ce que c'est un soutien manifeste ou un soutien déguisé? France, le soutien de la France envers... Si tu permets, j'ai un article de Africa Guinée qui a choisi un angle intéressant et qui rapporte les propos de l'ambassadeur pour aller dans ce sens-là. Oui. En ayant décidé d'accompagner cette transition en Guinée, de ne pas nous retirer après le coup d'État du 5 septembre 2021, de ne pas répéter l'histoire et de ne pas rompre une troisième fois comme en 1958, comme en 1965, la France a engagé un capital politique. Elle a jugé qu'il fallait, dans l'intérêt supérieur des populations, maintenir un partenariat global en dépit des circonstances, car on ne doit pas laisser tomber un pays ami quand il traverse une période compliquée. Voilà, donc, voilà une France, justement, qui... Une France franche. Oui, mais... Qui se veut franche. Oui, oui, mais... Dans son partenariat avec... Mais qui est aujourd'hui plus engagé... Qui se veut réaliste. Qui se veut réaliste et qui sait qu'on est dans un concert de nations qui fait que... Mais qui aurait pu l'être aussi sous le règne d'un Alpha Condé qui a été en France depuis l'âge de 15 ans. Cet amour déclaré franchement, comment ça a talibé? Mais ça n'a pas changé. Je suis en train de dire que cette déclaration d'amour, pendant qu'on pense que le principal soutien, en tout cas occidental, de la junte, c'est la France, tout cela, moi, m'intrigue à plus d'un titre. Ben voilà. C'est Manu qui avait la parole. Si tu veux, de parole. Bien, oui, allez-y. Allez-y, Manu. Allez-y, donc, Manu. Moi, j'étais en train de dire en fait que de toute façon, le soutien de la France vis-à-vis de la transition en Guinée n'est plus caché. Il y a eu quand même assez d'organismes qui ont même dénoncé la procédure de la soutien, mais sur fond d'exigence. Oui, oui. Parce qu'on a entendu l'ambassadeur. Évidemment, il y a cette exigence qui est liée au respect du chronogramme de la transition. Mais ça reste quand même un soutien. Et moi, je dis que en réalité, mais pas un soutien aveugle. C'est tant mieux. Encore une fois. Non, c'est pas aveugle. Non, c'est pas du tout aveugle. Mais quand on regarde aussi le contexte géopolitique, évidemment que la France a besoin aussi de faire les yeux doux à un pays comme la Guinée qui reste aujourd'hui l'un des rares berceaux qui puisse
l'accueillir. Ouais. Parce que la France a été répudiée au Mali. Voilà, au Mali, elle est au Burkina Faso. Au Burkina Faso, elle est répudiée. Au Sénégal, on est en train de la pousser à la porte. Ouais. Et quand en Guinée, elle trouve un terreau fertile, ouais, évidemment que c'est important pour elle de s'installer, mais aussi de prouver qu'au-delà de tout ce qu'on peut lui coller dans le cadre de la France-Afrique, elle peut être un partenaire au développement. Un partenaire stratégique. Et c'est tant mieux. Quand vous regardez aujourd'hui les projets que la junte est en train évidemment de dérouler avec des entreprises françaises, c'est tant mieux. Je pense notamment au projet des quatre CHU régionaux. Bien entendu. C'est piloté par des entreprises françaises qui vont les financer. Et je pense que c'est la meilleure manière de coopération par laquelle la France aurait pu affirmer sa présence dans un pays. On la connaît beaucoup plus sur le plan politique et généralement sur les questions des droits de l'homme et très souvent sur les questions des coups bas politiques. Mais là, qu'elle s'affiche en termes d'accompagnement. Oui, justement. Non, c'est surtout là qu'on l'a connue et c'est surtout cette image. C'est surtout cette image qui fait qu'il y a eu une opinion, anti-française. Ouais. Cabinet n'est pas d'accord. Épidermique. Pourtant, c'est un constat. Ouais. Et c'est cette image aujourd'hui qui fait que la France est talonnée un peu partout. Bien, répandre donc cette coopération. Redorer son image. Oui, en étant un partenaire qui accompagne. Un partenaire franc. Réaliste et intelligent. Réaliste surtout en tenant compte évidemment du contexte géopolitique qui impose le réalisme. Merci Manu. Je suis pas tout à fait. Très rapidement. Je pense qu'il n'y a pas à réinventer quoi. C'est clair ici. Il y a eu un sommet qui s'est tenu le 8 octobre 2021. Quels sont les critères qui ont valu à la Guinée d'être alignés priorité? C'est une question importante. Allez demander. Quels sont les critères? Monsieur Nord-Sud, on vous pose la question. Allez demander à Aléouba. Pourquoi il était là-bas? Oui, non. Oui, Est-ce que vous voulez dire que les arguments qu'ils ont fait valoir, ces jeunes brillants, y compris notre Aléouba, à ce sommet-là? Parce qu'il y a eu quand même un rapport cabinet avec l'éminent. Comment il s'appelle? Je pense que c'est une Burkinabé ou une Malienne qui a quand même touché, qui a parlé de la marmite à récurer. Elle n'est pas guinéenne. On a suivi mais pourtant, aussi. Dans son pays, ça n'a ça pas avec la France. Pourtant, c'est elle qui a le plus marqué. Son pays ne le veut pas. Est-ce que la France va les obliger à prendre des financements de projets s'ils ne veulent pas? Si le Burkina a mis la France dehors, tant pis. Maintenant, si la France dit. On va financer des ONG qui ont des projets finançables, comme par exemple le Club des Métis pour la prévention des conflits ou le réseau des jeunesses guinéens. Pourquoi pas? Maintenant, si la Guinée dit ni notre gouvernement ne veut de la France, ni nos populations ne veulent de vous, alors tant pis, c'est ce que le Burkina a fait, c'est ce que le Mali fait. Nous, est-ce qu'on va le faire? Donc, je vous dis que c'est la suite logique de ce sommet-là. Ouais. Mais une question reste sans réponse. L'ambassadeur vous parle d'un agenda qui s'appelle l'agenda transformationnel. On est bien d'accord. Issu du nouveau sommet. On est bien d'accord, Mamadou. De Montpellier. Sauf qu'une question reste sans réponse. Et Talibé vient de la réitérer. Sur la base de quels critères la Guinée a été incluse comme pays prioritaire dans cette nouvelle politique? D'abord, ce sont des pays francophones qui ont été appelés à cette invitation. Il y avait aussi des pays anglophones à ce sommet. Maintenant, si vous voulez qu'on fasse... C'est la prestation d'Aliouba. C'est pas que ça. Si vous voulez qu'on fasse la balance, la France a des relations traditionnelles et séculaires, d'abord avec les pays francophones. Oui. Ça, c'est le premier critère que moi, je donne bêtement parce que j'étais pas là-bas. Mais pas le pays prioritaire. Pourquoi me donne les critères? Bien. Pays prioritaire. S'il vous plaît. Oui, mais je dis, pays prioritaire. On ne le mérite pas. Comment on est devenu pays prioritaire? Est-ce qu'on ne le mérite pas? Pour l'instant, mais expliquez-nous, Mamadou. Dans les propos de l'ambassadeur, il ne nous donne pas ces critères. Justement. Il nous dit voilà, ça nous avons trop longtemps payé le prix d'une séparation douloureuse et violente en 1958. Nous venons de loin et de très loin. Tout cela, c'est un discours de drague. Je considère que et ce n'est pas qu'aujourd'hui que la France a remarqué qu'elle a fait un chemin très douloureux avec la Guinée et subitement. On fait cette déclaration. Soudain, on ne dit pas quels sont les critères. Chacun peut préjuger. Voilà. Bien. Spéculer comme vous voulez. Bien, les gars, j'ai deux minutes. On s'interroge intelligemment. On veut savoir. On a un pays francophone, ami depuis longtemps à ce pays. Secondo, un pays fréquentable. S'il y a plus d'associations de jeunesse, s'il y a plus d'entreprises en Guinée qui ont besoin d'être boostées, qui ont besoin d'être financées. Que des entreprises en Côte d'Ivoire
évidemment, je pense que la Côte d'Ivoire aussi doit être sur la liste prioritaire. Forcément, que d'autres pays. Pourquoi on ne peut pas être sur la liste prioritaire? On a des entreprises locales qui souffrent ici. On en parlait tout à l'heure. Parce qu'on vous dit. Ils ont toujours souffert. On vous dit que dans l'agenda. Ils ont toujours souffert. Depuis 1958, ils souffrent. Maintenant, qu'est-ce qui a changé? Omadouri, qu'est-ce qui a changé? C'est en 2023 qu'on s'est rendu compte que. L'engagement là est pris depuis le 8 octobre 2021. Vous n'êtes pas conscient de cela? C'est pas, on ne vous parle pas de 58. Bien, merci. La France. Donc, la France. Allez, les gars. La France, en Bacar, selon l'ambassadeur, réaménage son approche, sa manière de se présenter à la Guinée. Oui, je termine là-dessus. En tout cas, donc tu as des doutes. Oui, oui. Tu as des doutes sur la manière. On ne peut pas me dire que c'est maintenant que la France réalise que donc c'est la trop Guinée facile. A davantage besoin d'elle. C'est trop facile la Guinée. Oui, c'est trop facile. C'est trop facile. Absolument. Absolument. Bien. Absolument. Là, je termine définitivement. Oui, parce que l'icône qui trépigne de prendre la parole. Laisse tout le procès. Trépigne d'impatience. Laisse tout le procès du colonialisme et de l'après-indépendance, les coups et tout le reste. Du soleil des indépendants. C'est l'ambassadeur qui le rappelle. Dites-moi, qui le rappelle. Est-ce qu'il n'y a jamais eu de financement de ce pays pour la Guinée? Bien. La France, comme les États-Unis, comme toutes les autres, laissez-moi terminer. Bien. La France, comme les États-Unis, comme toutes les autres puissances, ont mis des financements dans ce pays. Bien. Mais comment ils ont été utilisés? C'est parce que les gouvernements les ont toujours détournés. Bien. Qu'on change d'approche. L'approche est quoi? C'est de... Vous étiez avec moi quelque part avec une personnalité qui bien me sûr. Disait bien que sûr. Si vous voyez que ces puissances aujourd'hui veulent que les aides aillent directement aux bénéficiaires, c'est parce qu'on a tendance à croire, et c'est une réalité, nous le dénonçons ici, que des gouvernements les détournent. Bien. Donc, au lieu de leur donner directement ses appuis, merci. Il faut les donner directement aux bénéficiaires. Merci, Mamadouri. Et c'est ce qui se passe. Et c'est ce qui se passe. Est-ce qu'il convainc ce matin? Est-ce qu'il vous a convaincu, Mamadouri, un tout petit peu à la peine ce matin? Oui. Juste le dernier point qu'il a évoqué, c'était mon raisonnement. Bien. Et nous apprécions le fait que les États occidentaux changent de politique vis-à-vis des Africains. Avant, c'est ce qui compte, oui. Oui, avant, les manne financières tombaient dans les mains des gouvernants. Et les gens partaient prendre des photos envoyées pour justifier des projets qui n'ont jamais été réalisés. Mais aujourd'hui, la plupart de ces agences financent directement les ONG ou en tout cas des structures privées. C'est très important. Mais je suis quand même étonné que la France devienne une bonne dragueuse vis-à-vis de la Guinée qui est devenue une bonne coqueluche. C'est-à-dire que le modèle est quand même est très belle. Et tu sais, Lincoln, oui. La France offre à la Guinée son concours loyal, amical pour sa construction, son émergence et son progrès. D'accord. Nous dit monsieur l'ambassadeur. Et moi, j'ai beaucoup de questions. Combien d'étudiants? Vous n'allez pas avoir de visa à l'ambassade. Combien? Oui, non, Ouri, tu n'as plus la parole. Peu importe. Non, Ouri n'a plus la parole. Voilà. Ouri, ne gâtez pas nos chances. Parce que. Ne gâtez pas nos chances. Ouri, nous, on arrive. On arrive à l'ambassade le vendredi, s'il vous plaît. Avocat, ne gâtez pas nos chances. À la Coupe du Monde, mon pays préféré, c'est la France. Mais quand il s'agit de décrypter, d'analyser, de comprendre les revirements dans les relations entre la France et la Guinée, je m'interroge intelligemment. Alors qu'est-ce que tu dis des États-Unis? L'école est arrivée. Qu'est-ce que vous en dites? Les États-Unis. J'ai l'impression que le studio est hanté ce matin. Les États-Unis ont activé le chrono. C'est pas le chrono. Le compte à rebours. Qu'est-ce que vous dites de la sortie récente de l'ambassadeur des États-Unis? Mais qui réaffirme encore la position. L'ambassadeur Fitrel. Des États-Unis. Ouais. Vous avez vu ça. De continuer à aider la Guinée. Ouais, il a rendu visite à Elage Docteur Dans à Kourma. Oui, de continuer à financer. Vous avez vu son discours? Oui, bien sûr. Mais c'est un nouvel Elage. Mais qu'est-ce que tu as quoi contre? Ça me rappelle Elage. Oui, bien sûr. Ça me rappelle Elage, professeur. C'est Elage Docteur Dans à Kourma. Oui, bien sûr. C'est Elage Docteur Honorable Dans à Kourma. Eh bien, le nom est complet. Voilà. Oui, j'ai dit que j'aime bien en tout cas ces aides. S'il vous plaît, je n'ai plus que deux minutes, s'il vous plaît. Ces aides, c'est très important, les États-Unis, la France et autres pays. Mais ce que je voulais, j'aime bien la France, je soutiens je parle français. Ouais. Et c'est un pays de rêve pour moi. Bien c'est sûr. Clair. Ouais. Mais la politique occidentale vis-à-vis de l'Afrique doit changer. Je vais vous rappeler, les États n'ont pas d'amis, n'ont que des intérêts. La France va beau annoncer son amour pour la Guinée des États-Unis ou l'Angleterre. Mais ces pays ne défendent que leurs intérêts. Ouais. C'est pas pour aider ce pays. C'est normal. La Guinée a beaucoup plus coopéré avec l'Union soviétique. Donc pour la Chine si je t'entends bien, Nicole, c'est que cette manière d'inclure la Guinée dans la liste des pays prioritaires pour la France, dans la nouvelle politique africaine de la France, c'est pour toi, c'est un soutien manifeste de l'ancienne puissance coloniale à la junte guinéenne. Non, pas la junte. Moi, je pose la question. Non, pas du tout. Bien. J'ai aimé d'abord ce changement de démarche. Ce changement
le statut de, la Guinée auprès de la France. Ouais. Et je suis aussi heureux que les Occidentaux puissent comprendre que désormais le développement ne passe pas forcément par les gouvernements États centraux. Bien. Que ça passe. Non, mais sincèrement, voilà, franchement, je trouve privé. Très positif ce matin, voilà. L'icône. Mais, et puisque ça n'arrive pas tous les jours, enfin, je n'aimerais pas que tu gâtes cela, s'il te plaît. Oui, mais tous ces pays. Bien. Tous ces pays. Je pense que la coupe est pleine. Pas. Bien. Tous ces pays défendent leurs intérêts. Merci. Doyen Jean, pour clore, en une minute, s'il vous plaît. Vous savez, quand Macron est venu au pouvoir en 2017, il a voulu changer d'approche vis-à-vis de l'Afrique. Ouais. Donc, c'est un président très intelligent. Pour éviter ce que Pascal Ayrault et Antoine Glaser ont écrit dans un bouquin, Le piège africain de Macron. Mmh. C'est le titre du bouquin. Ouais. Donc il s'est dit, il faut plutôt, en plus de l'ancien précaré français, faire les yeux doux à des pays comme le Nigeria, le Kenya, l'Éthiopie, l'Afrique du Sud, les anglophones, y compris le Rwanda. Très bien. Donc, parce qu'il s'est dit quelque part, le premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed, le président rwandais, étant certes des autorités, des autoritaires, des gens qui sont un peu, qui font dans de la dictature, mais ils gèrent bien l'économie, ils développent leur pays. Donc il faut aller avec ces gens. Maintenant, l'ancien précaré aussi, il faut changer de modèle, y aller avec la société civile. C'est dans cette optique qu'il y a eu ce sommet, de Montpellier. De Montpellier. Très bien. Donc aujourd'hui, les Français, oui, on parle des droits de l'homme, tout ça, mais c'est l'intérêt de la France d'abord qui prime. Donc il faut voir ça dans ce sens. Il faut tout relativiser. Parce que les rapports entre la France et la Guinée, on le sait tous, il y avait eu une rupture de 65 à 74. Il a fallu André Lévine avec l'avènement de Giscard pour que il y ait le réchauffement. Giscard est venu en Guinée, c'est Couturé est allé là-bas. Bien. Ça, c'est toujours, il y a toujours ce mur de glace entre nous. Bien. Les Français, ils se méfient de la Guinée. Donc, quelque part, c'est leurs intérêts, la Guinée aussi. Leurs intérêts qui passent avant. Voilà. Voilà Kebendi, voilà le doyen Mamadou Jean Baldé, comme l'a écrit Cabinet, qui historicise la Renaissance telle qu'on l'aime dans ce studio. Dans un instant, on va partir dans les universités où ça bouillonne. Sur les grandes. Tribune politique de la Guinée, l'habitacle de la pluralité des opinions. Mirador, le grand safari de l'investigation journalistique. Aboubacar Diallo. Nos salutations à tous nos auditeurs disséminés aux quatre coins de la France, à Rennes, à Marseille, à Nantes, à Montpellier, à Lille et dans Paris. Hein, voilà. Vous êtes très très nombreux donc, à nous suivre donc, sur place. Merci de continuer donc, d'être fidèles à FIM Guinée. Dans un instant, on s'intéresse à cette grève générale illimitée qui est déclenchée à compter de ce mardi 18 juillet dans toutes les institutions d'enseignement supérieur de Guinée à l'appel
celle du Cenasur. Le Cenasur, donc, dont on va entendre dans quelques minutes le secrétaire général à la personne de Lansana Yansane, que nous allons appeler d'une minute à l'autre sur cette antenne. Le temps pour nous donc de prendre en compte quelques réactions de nouveau. Comment est le commandant Sidibé? Bonjour à Boakar et à toute ta vaillante équipe. On sent que Lincoln a des lacunes en économie, car c'est basique de comprendre les mesures prises par le département du commerce sont les remèdes pour justement atténuer l'impact de la crise et alléger le panier de la ménagère. En d'autres termes, si le peu que nous produisons, nous exportons cela au lieu de servir notre propre population, nous aggravons les choses. La rareté des denrées ne peut qu'amener une augmentation exponentielle des prix sur le marché. Comment est le commandant depuis le Maroc? Mamadou Alpha Djambourouya Diallo, bonjour le Turbo et bonjour à mes parents de Dalaba, Ditine Djambourouya Dankama dans mon village natal, et bonjour je suis parfaitement d'accord avec notre Kuntigi Ibrahima Sorli Konsouma, le journaliste du Bas Peuple. Il faut monter dans un taxi ou minibus pour connaître les souffrances des usagers sur la route nationale. Je suis de retour donc de Djambourouya. C'est notre ami Oumar Djambourouya qui nous envoie ce message. C'est autre, c'est Ismaël Boulouel Diallo. Bonjour mes chers confrères et consoeurs de la plus dynamique des radios privées de la Guinée, FIM FM, FIM 24. Bonjour à ma belle sous-préfecture aimée de Boulouel. En ce qui concerne l'économie guinéenne, le gouvernement doit avoir une vraie planification et surtout la bonne gouvernance. Aucune évacuation pour l'ex-premier ministre Ibrahima Kassori Fofana. Et enfin, l'effet de la guerre entre l'Ukraine et la Russie sur l'usine Frigia. Vraiment, les conséquences sont énormes. Le chômage des millions de jeunes. Allez, je continue avec Mouktar Dembaï. Bonjour à Boubacar et à tous vos millions d'auditeurs à travers le monde. Et bonjour à mon Dembaï natal, à Sagalé, Érico, chez mes oncles maternels. Monsieur Diallo, la Guinée devrait d'une manière résolue promouvoir l'agriculture, l'élevage pour assurer son autosuffisance alimentaire. Malheureusement, certains Guinéens préfèrent décourager ceux et celles qui se lancent dans le domaine, quel que soit, quelquefois en brûlant les champs, les plantations et abattre les cheptels. Allez, cet autre, c'est Abdourahmane Sinki Diallo. Bonjour Titi National et bonjour à mon village natal Sinki Sagalé dans l'Elouma. Vu l'avancée significative de la Chine et la Turquie dans le continent, sur le continent africain en matière d'investissement et le sommet Russie-Afrique en préparation, avec les promesses faites par le gouvernement russe pour le continent africain, la France est contrainte de bouger, sinon elle risque d'être un lointain souvenir pour le continent et à la poubelle de l'histoire. Allez, Tiyan Barry de Kobea, voilà, j'essaie de prendre le maximum avant de passer par le stand. Bonjour à Boakar. Si Kassori et Damaro arrivent à mourir en prison, mettez au compte le professeur Alpha Condé. C'est lui qui est responsable, le professeur Alpha Condé, car celui qui lui a conduit dans l'erreur de prendre avec précipitation la tête du RPG, dont beaucoup de cadres du parti n'étaient pas d'accord. Allez, c'est autre Alcénou Oumou Diallo. Bonjour le faiseur de roi à toute l'équipe de Vigie de la démocratie à Boakar. Selon l'histoire de la Guinée, depuis la disparition de Sékou Touré, les commerçants ont pris en otage nos différents dirigeants au détriment des populations et depuis, ils peinent à stabiliser les prix et le peuple paye en conséquence la mauvaise foi de nos opérateurs économiques. Bolokada de Tourama l'avant-dernier. Bonjour le légionnaire des journalistes, M. Diallo, et à toute l'équipe du jour, nous demandons au colonel de prendre toutes les dispositions nécessaires pour sauver la vie de l'homme d'Onkas. Il ne doit pas écouter les magistrats incompétents, inexpérimentés, comme ils l'ont fait auparavant. C'est les mêmes magistrats qui ont dit devant vous qu'ils n'étaient pas indépendants, car au temps d'Alpha... Et il n'est. J'essaie de comprendre, c'est assez compliqué. Le dernier, c'est Diallo Deguemakolé. Bonjour à Boakar, le Poutine de la presse guinéenne. C'est un plaisir de vous écouter sur la plus grande radio de la capitale, FIM FM, Guinée. Et puis, je demande à tous les militants et responsables de l'UFDG de continuer la lutte démocratique auprès du président Sélou Dalein Diallo, car c'est lui la solution du développement de la Guinée. Et je profite de l'occasion pour
rappeler au ministre des Travaux publics concernant les travaux de bitumage d'Anta Beretea, donc qui ont du mal à évoluer. Ça fait plus de 6 mois maintenant et les usagers de cette localité souffrent énormément actuellement. Diallo Degue Makolé, communicant de l'UFDG, soldat de Mama Kadetou Dalemba. Et je pense qu'on a été complet là-dessus. Est-ce qu'il est là? Lansana Yansane, voilà. Le temps pour Lincoln de planter le décor. Talibé, on s'intéresse à cette grève dans le secteur de l'enseignement supérieur. C'est assez surprenant d'être confronté à cela, de voir un secteur qui apparemment, en tout cas, semble être bien géré par la ministre Diaka Sidibé. Personnellement, j'étais surpris d'apprendre qu'une grève donc va secouer le sous-secteur de l'enseignement supérieur. Je ne sais pas si c'est le cas chez vous. Oui, je ne suis pas surpris. Peut-être qu'il y a des réformes justement engagées par Madame Diaka Sidibé, mais on sent dans la plateforme revendicative du Sénasur que ce sont des revendications qui ne datent pas justement de l'ère CNRD. Ce qu'on note concernant la ministre, c'est que dans le préavis de grève du 6 juillet, déjà les syndicalistes se désolaient des multiples tentatives de rencontrer Madame la ministre. Ouais. Des tentatives. Ça m'a quand même refroidi un peu. Déjà dans le préavis de grève du 6 juillet, et maintenant dans cet avis de grève, le même constat est réitéré. Elle a refermé complètement la porte. En tout cas, c'est ce que semble dire le syndicat dans cet avis de grève. Alors, de quoi il s'agit-il? Quelles sont leurs revendications, ces syndicalistes? Parce que Yansani, mais il ne l'a jamais prise. Oui. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Oui, bien sûr, parce que dans ce préavis, il demande par exemple la signature sans délai du statut particulier et des textes d'application du cadre. On va le laisser dérouler. Donc le reste, Talibé, Lansana Yansane, secrétaire général du Sénésur, le syndicat de l'enseignement supérieur qui déclenche une grève générale illimitée à compter de ce mardi 18 juillet dans toutes les institutions d'enseignement supérieur de la Guinée. Il est en direct. Bonjour monsieur Yansane, salut camarade. Salut camarade Bakary Diallo, salut camarade encore une fois. Bienvenue. Je disais tantôt, mais vous ne lâchez jamais prise depuis plusieurs années. Mais qu'est-ce qui se passe finalement? Pourquoi vous partez en grève, Lansana Yansane? Très bien, camarade Bakary, je vous dis que nous partons en grève, c'est par le refus systématique du ministère de l'Enseignement supérieur de nous recevoir, n'est-ce pas, pour une négociation sur les points qui concernent les préoccupations des institutions d'enseignement supérieur. Et après plusieurs tentatives, les portes restent fermées devant nous. Et on a demandé à Madame la ministre, n'est-ce pas, pour nous recevoir. On n'a pas eu gain de cause. On a demandé à son chef de cabinet pour intervenir. On n'a pas eu gain de cause. On est passé par son attaché de cabinet pour nous mettre, n'est-ce pas, sur le calendrier de rendez-vous. Ça n'a pas trouvé satisfaction. Alors, ça veut dire que depuis que vous avez commencé ces démarches pour avoir satisfaction sur les revendications, elle ne vous a jamais reçu, docteur Diaka Sidibé? Non, elle ne nous a pas reçu. Elle ne nous a jamais reçu. Après avoir tenu des assemblées de gauche à droite, on a cherché, n'est-ce pas, à la rencontrer pour qu'on puisse passer à revue toutes les préoccupations des institutions d'enseignement supérieur. Mais pour quelle raison? Comment vous comprenez cette attitude? Comment vous comprenez son attitude? Comment on appelle ça? C'est le manque de managérial, c'est le manque de leadership. Parce que quand tu es à la tête, n'est-ce pas, d'une institution de ce genre, avec des partenaires sociaux, il faut être à leur écoute, surtout que eux qui vous donnent, n'est-ce pas, la paix pour vous permettre de dérouler tout ce qui est, n'est-ce pas, des préoccupations que vous avez à mettre à l'actif des institutions. Mais si vous n'arrivez pas, n'est-ce pas, à recevoir ceci pour échanger et accorder, n'est-ce pas, vos points de vue sur la méthode, n'est-ce pas, à faire, ça ne pourra pas marcher. Il ne faudrait pas que les gens pensent que les réformes, n'est-ce pas, qu'elle est en train de poser, que c'est comme on appelle ça, ça tient compte les préoccupations, n'est-ce pas, des enseignants du supérieur. Bien. Alors, on va aller droit au but. Quels sont vos points de revendication? Qu'est-ce que vous réclamez concrètement, Yansane? Actuellement, nous réclamons, n'est-ce pas, la signature sans délai du statut particulier, n'est-ce pas, de l'enseignement supérieur et du personnel enseignant. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, l'engagement sans condition. Qu'est-ce que vous visez à travers ce statut particulier, concrètement? Ben, très bien. Nous voulons quitter, n'est-ce pas, de l'EPA pour venir, n'est-ce pas, d'une institution à caractère scientifique et culturel. Et ensuite, nous avons, n'est-ce pas, la rémunération du personnel, n'est-ce pas, par grade. Et comme vous le savez, l'enseignement supérieur est comme l'armée. Les gens évoluent en fonction des grades.
il y a maître assistant, il y a assistant, il y a maître assistant, maître de conférence et professeur. En fonction des diplômes, en fait. Voilà, et vous ne pouvez pas comment gravir tous ces échelons, et puis vous êtes payé au même titre que quelqu'un qui a une licence ou bien qui a une maîtrise. Ça ne peut pas marcher. Mmh. Il faudrait qu'on pense alors à comment on appelle ça, à la récompense de tout ce que les gens ont fait pour comme effort, pour leur permettre, n'est-ce pas, de booster les recherches, n'est-ce pas, dans tous les domaines. Mmh. Autre point de revendication. Voilà un peu, n'est-ce pas, c'est ce que nous revendiquons, et puis engager, n'est-ce pas, les homologues. Mais aussi, nous demandons l'autonomie des institutions. Vous parlez d'engagement. Vous parlez d'engagement à la fonction publique. Des homologues. De quoi à l'enseignement supérieur, il y a des contractuels, il y a des homologues. Les homologues, donc, qu'est-ce que vous réclamez justement, c'est l'engagement des homologues ou des homologues et contractuels à la fois? Non, nous demandons, n'est-ce pas, l'engagement des homologues. Ceux qui évoluent en situation de classe pendant des années et qui n'ont pas bénéficié, n'est-ce pas, de leur engagement. Et en même temps, ces gens-là, n'est-ce pas, on a fermé la porte de formation. Or, quelqu'un qui évolue et on dit, il faut être engagé, il faut avoir le PhD. Mais comment tu peux avoir le PhD si tu n'as pas de formation? Et on bloque carrément, n'est-ce pas, la porte à tous ces individus-là pour qu'ils puissent bénéficier de la formation. Et ils prêtent service dans toutes les institutions d'enseignement supérieur avec qualité. Voyez-vous comment on peut comprendre cette situation? Bien, Yassane, vous avez quelle assurance que votre mot d'ordre de grève pourrait être effectif et suivi dans les universités, dans les instituts, mais aussi les centres de recherche? Vous avez quelle assurance? L'assurance que nous avons, camarade Abakar, on ne fait pas, n'est-ce pas, des théories. On veut aller dans la pratique. Nous vous donnons, n'est-ce pas, le cursus de passer dans toutes les institutions d'enseignement supérieur aujourd'hui, d'observer. Si vous trouverez, n'est-ce pas, un seul enseignant dans la cour même des universités. Oula. Tout le monde observe, n'est-ce pas, ce mot de grève, parce que c'est l'intérêt de tous les enseignants, n'est-ce pas, du supérieur. Mais, et j'ai quand même, ce qui est quand même curieux dans cette histoire, c'est le fait aussi, pour ma part, que cette grève intervient pendant que pratiquement c'est les vacances, je ne sais pas, sauf erreur de ma part, à l'enseignement supérieur. Et ça peut avoir quel effet sur le cours des événements, en tout cas sur les cours, sur les recherches, tous les travaux dans les universités? Ça peut avoir quelle incidence? Très bien, monsieur, camarade Abakar, camarade, je me réjouis, n'est-ce pas, de cette question. Je vous parie. Nous, à l'enseignement supérieur, la fermeture des classes est prévue à la fin de ce mois de juillet. À l'heure où nous sommes comme ça, c'est la période des évaluations, c'est la période, n'est-ce pas, de calcul des notes, c'est tout ce qui est lié aux aspects pédagogiques, c'est ce que nous sommes en train de faire maintenant. Maintenant, déclencher la grève à cette période, toutes ces activités restent bloquées et aucun étudiant ne rentrera en possession de son diplôme, aucun étudiant ne sera en possession, n'est-ce pas, de ses notes et personne ne saura, n'est-ce pas, ce qui se passe ici. Et mieux que ça, nous faisons la grève pour les enseignants et non les étudiants. Bien. Nous demandons, n'est-ce pas, les étudiants de rester en place et les enseignants, ils vont observer le mode de grève. Nous ne faisons pas, n'est-ce pas, pour sortir les enfants aller dans la rue pour nous épauler. Nous savons, si nous restons à la maison, c'est à les enfants, n'est-ce pas, de juger le reste. Bien. Voilà, c'était M. Lassana Yassane, secrétaire général du Cenasur. Le Cenasur qui déclenche donc une grève générale illimitée à compter de ce mardi 18 juillet. Grand merci à vous, camarades, et surtout bon courage. Sans vous encourager à faire de la grève. Manu, quand même, ce qui est ahurissant pour ma part, c'est lorsqu'on apprend que Dr Yaka Sidibé, la ministre, aurait fermé la porte au dialogue à ces enseignants qui ont des choses à revendiquer. C'est très surprenant. C'est quand même une dame qui quand même fait d'excellentes choses justement, depuis qu'elle est ministre. Justement, c'est pourquoi je dis que c'est très surprenant d'apprendre qu'elle ne. Elle doit avoir ses raisons. À ce syndicat. Ouais. Et puis après, c'est quand même, comme vous l'avez dit, c'est une ministre qui est quand même. Ni elle, ni ses collaborateurs. Justement, et c'est pourquoi. Ouais. J'ai rien compris, parce qu'il y a Blaquetta quand même. Pourquoi il faut chercher. Il faut chercher se bouger réponse. Pour faciliter quand même une rencontre. Il faut chercher une réponse à ce refus et voir est-ce que, effectivement, c'est un refus. Récemment, oui, il m'apprend qu'elle ne serait pas là. Récemment, il y a le Premier ministre même qui a noté cela. Elle n'est pas là. Le Premier ministre avait demandé même aux syndicalistes. Elle n'est pas là depuis le 6 juillet. Parce que dans le préavis du 6 juillet. Je pense qu'elle n'est pas là depuis plusieurs. En tout cas. Quelques semaines. Parce qu'elle n'était même pas là à la scénarie. Oui, mais quand elle n'est pas là, le ministère fonctionne. Il y a un secrétaire général, il y a un chef de cabinet. Effectivement. Ces derniers aussi refusent de les recevoir. Qui sont d'ailleurs de très bons cadres. Hein. Fascinés et Hamid. Voilà, Hamid. Oui. Hamid.
Diallo. Bien sûr. Ouais. Il y a quand même une chose qui est sûre, c'est que récemment, moi, j'ai entendu le Premier ministre justement soulever le fait que la ministre de tutelle n'est pas là. Bien. Que lui, il a reçu les revendications et qu'il demandait donc au syndicat d'attendre le retour de la ministre pour que ses revendications soient étudiées avec diligence. Est-ce que donc son appel n'a pas été entendu par ce syndicat, visiblement? Tout porte à le croire. C'est ce que ça donne. Tout porte à le croire. Bien, on va donc suivre de près l'effectivité de ce mot d'ordre de grève lancé par le Cenasur au niveau de l'enseignement supérieur. Et ce sera forcément avec la rédaction politique de FM Guinée. On marque la pause, on revient pour parler de Kassouri, mais aussi nous inviter dans le secteur des mines. Avec Nukana, vivez des moments de bonheur et de douceur avec vos enfants. Offrez-leur le meilleur, les délicieux desserts Milkana. Découvrez leur nouvelle recette extra crémeuse, source de protéines, avec de vrais fruits mixés et du bon lait de vache. Comme avant, ils vous accompagnent toute la journée, même hors du frigo. Milkana, la force du lait, la force de l'amour. Excusez-moi. Le gars, c'est pas grave. Désolé, c'était les entrées. Non, t'inquiète. Mais attends, vous avez tous quoi à sourire aujourd'hui là? Mais tu sais pas? Non. C'est la folie chez Mouna. Regarde. L'internet n'est pas un luxe. Mouna vous l'avait dit. Offrez-vous une connexion illimitée jusqu'à 20 mégas avec la fibre optique au prix de 690 000 francs guinéens. Si, si, je répète, au vrai prix de 690 000 francs guinéens. Ce n'est pas beau ça? Et ce n'est pas tout. Mouna et Canal+ associent l'internet à votre abonnement télé. Recevez vos programmes TV via MyCanal tout en profitant de l'illimité pour une seule facture. C'est seulement Mouna qui fait ça. Pour vous abonner, appelez le 95 ou écrire à vente@mounagroup.com. Mouna Group Technologie, nous faisons mieux. Sous réserve d'éligibilité et de raccordement à la fibre. Après sa vaste campagne de couverture par ses activités d'immatriculation et de réimmatriculation sous l'égide du ministère des Transports et la Direction nationale des transports terrestres, DSD Guinée poursuit sa mission citoyenne en apportant aux usagers de la route des documents numériques et sécurisés dont entre autres les cartes grises, vignettes et autorisations de transport qui résistent aux différentes manipulations et vous permettent également de retrouver vos engins même en cas de perte ou de vol. Nous vous invitons dans nos 21 agences à travers le pays pour faire vos formalités avant le 30 juin 2023, la date limite. Alors n'attendez plus, rendez-vous vite dans nos agences pour vous procurer des documents numériques et sécurisés afin de pouvoir circuler en toute sécurité tout en évitant les sanctions prévues dans le code de la route. Ce spot vous a été proposé par DSD en collaboration avec le ministère des Transports et la Direction nationale des transports terrestres. Welo welo aduna tingi tingi kino yidi salam lemone salam pom no kasahara ko salam mango ankadi salam bunye non hey fi hon hina salam jillado eme joni non ko hon buranyo hi ko no bin kala ko ni ji salam no wala la pech salam julie gefi kala ko yidu donko salam souriez à la vie. Ma copine, j'aimerais bien que tu m'indiques ton dentiste. J'ai remarqué que tu n'as ni caries ni maux de dents. En plus, tes dents sont éclatantes et tu as une bonne haleine. Non, mais c'est très simple. J'utilise le dentifrice Airson Triple Action. Et c'est cette pâte qui t'offre ce beau sourire. Mais oui, ma copine, j'en avais assez de pourrir mes dents avec toutes ces pâtes de mauvaise qualité. Désormais, avec les pâtes dentifrice Airson Triple Action, Pro Complète, Aban Triple Action, c'est une simple action avec le plaisir de parler en public. Les pâtes dentifrice Airson sont en vente partout en Guinée. Airson, le vrai dentifrice qu'il vous faut. Alors, vous êtes plutôt salam orange, salam pomme, non, salam mangue peut-être, et salam ananas, pourquoi pas salam multifruits? Mais vous aussi, finalement vous préférez quoi? Moi, non, hey, j'aime tout, tous les jus salam, j'adore. Salam, des jus de fruits naturels pour tous les goûts. Salam, souriez à la vie. Girite gire re la dia. Ora ile salam le mun dale du mayenge. Salam pomdo. Eh ile fana. Salam makoro taro. Ne ke ni salam ke bibita di do. He mun ne don tanya basa no taro. He ile koni. Koni makona boto pa. Iye mo ko boto. Eh he ape.
Abe, juste salam, bedou manye. Salam, guide guignanama, dias bedou la renée mena. Salam, souriez à la vie. La Guinée se dote de classes préparatoires aux grandes écoles, les CPGE. Elles seront dédiées aux bacheliers les plus méritants sortant de tous les lycées de la République de Guinée. Implantées à Dalaba dans un cadre propice à l'exploration et la transmission du savoir, les CPGE constituent un tremplin vers des établissements partenaires prestigieux dans le monde entier, notamment au Maroc, en Côte d'Ivoire et en France. Elle concourt à la formation d'une élite d'ingénieurs aptes à prendre part à l'édification d'une Guinée rayonnante dans le concert des nations. La création des CPGE est une initiative du gouvernement à travers le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation. Pour plus d'informations, consultez le www.mesrs.gov.gn. Ces produits Best Milk, Best Tomato et Best Yaourt vous offrent l'heure. Il est 10h sur FIM FM, première sur l'info. FIM FM, la tour iconique de l'information en Guinée, en Afrique et ailleurs dans le monde. Surf de l'actu. Bonjour à toutes et à tous. L'interrogatoire du capitaine Marcel Guilavogui va se poursuivre dans quelques instants seulement au tribunal ad hoc de Dixine ce mardi. Les avocats des parties civiles ont terminé hier. Désormais, c'est au tour de ceux de la défense d'interroger l'accusé. L'ancien garde du corps de l'ex-chef du CNDD est à la barre depuis une semaine. C'est lui-même qui a désiré prendre la parole pour, dit-il, dire sa part de vérité relativement aux événements du 28 septembre 2009. Justement, en parlant de procès, dans moins de 2 heures, l'ancien président de l'Assemblée nationale guinéenne sera entendu à l'hôpital sino-guinéen où il est hospitalisé. Voilà maintenant plus d'un mois qu'Amadou Damaro Camara, et bien sûr, est attendu à la barre de la Cour de répression des infractions économiques et financières pour répondre des faits présumés de détournement de fonds publics s'élevant à 15 milliards de francs guinéens. Sur le continent au Kenya, 12 autres corps ont été retrouvés ce mardi dans la forêt de Shakahola où se réunissait une secte évangélique pratiquant un jeûne extrême portant à 403 morts, le bilan de ce scandale macabre. Pour finir, en RDC, 5 jours après la mort de Chiribeng Okende, tué par balle à Kinshasa, sa famille a décidé de saisir ce mardi la justice congolaise. L'avocat de la famille, maître Laurent Oyemba, va déposer une plainte vers midi, heure de Conakry, ce mardi auprès du tribunal de grande instance de Kinshasa. C'était tout pour ce Surf de l'actu. Restez avec nous. C'est la dernière partie de Mirador dans ce studio de notre maison de radio avec le juste Aboubacar Diallo. Et ça dans un court instant. FIM FM, de l'info non-stop. Pour que rien. Avec Milkana, vivez des moments de bonheur et de douceur avec vos enfants. Offrez-leur le meilleur, les délicieux desserts Milkana. Découvrez leur nouvelle recette extra crémeuse, source de protéines, avec de vrais fruits mixés et du bon lait de vache. Comme avant, ils vous accompagnent toute la journée, même hors du frigo. Milkana, la force du lait, la force de l'amour. Excusez-moi. Le gars, c'est pas grave. Désolé, c'était les imprévus. Non, t'inquiète. Mais attends, vous avez tous quoi à assurer aujourd'hui là? Mais tu sais pas,
Non. C'est la folie chez Mouna. Regarde. L'internet n'est pas un luxe. Mouna vous l'avait dit. Offrez-vous une connexion illimitée jusqu'à 20 mégas avec la fibre optique au prix de 690 000 francs guinéens. Si, si, je répète, au vrai prix de 690 000 francs guinéens. Ce n'est pas beau, ça? Et ce n'est pas tout. Mouna et Canal+ associent l'internet à votre abonnement télé. Recevez vos programmes TV via MyCanal tout en profitant de l'illimité pour une seule facture. C'est seulement Mouna qui fait ça. Pour vous abonner, appelez le 95 ou écrire à vente@mounagroup.com. Mouna Group Technologie, nous faisons mieux. Sous réserve d'éligibilité et de raccordement à la fibre. Après sa vaste campagne de couverture par ses activités d'immatriculation et de réimmatriculation sous l'égide du ministère des Transports et la Direction Nationale des Transports Terrestres, DSD Guinée poursuit sa mission citoyenne en apportant aux usagers de la route des documents numériques et sécurisés dont entre autres les cartes grises, vignettes et autorisations de transport qui résistent aux différentes manipulations et vous permettent également de retrouver vos engins même en cas de perte ou de vol. Nous vous invitons dans nos 21 agences à travers le pays pour faire vos formations avant le 30 juin 2023, la date limite. Alors n'attendez plus, rendez-vous vite dans nos agences pour vous procurer des documents numériques et sécurisés afin de pouvoir circuler en toute sécurité tout en évitant les sanctions prévues dans le code de la route. Ce spot vous a été proposé par DSD en collaboration avec le ministère des Transports et la Direction Nationale des Transports Terrestres. Welo welo aduna tingi tingi, kino yiri salam lemune, salam pom. Nino kasahara ko salam mango. Angkali salam punya non. Hey, fihun hina salam jilado. Emi, joni non ko hon buguran yo. Hei kono bin kala ko unizi salam kuno wala la match. Salam, Julie gefi kala ko yidu donko. Salam su. Mirador, la plus grande tribune politique de la Guinée, l'habitacle de la pluralité des opinions. Mirador, le grand safari de l'investigation journalistique. Aboubacar Diallo. Troisième et dernière partie de Mirador. Pas de bande de sortie pour l'ancien Premier ministre, Dr. Kassirou Fofana Doko. Et il n'est pas autorisé à être évacué, à aller se faire soigner donc à l'étranger. Ainsi en a décidé hier le juge Kova Zoumanegui. Le plaidoyer de ses avocats, les explications de son médecin traitant devant la CRIEF et son interrogatoire sur son lit de malade n'ont pas suffi à convaincre le magistrat de la nécessité de lui accorder une évacuation sanitaire, écrit Ali Bebari. Décide de renvoyer au 20 juillet prochain les réquisitions et plaidoiries. Dans cette affaire, le juge Kova Zoumanegui a d'ailleurs démenti les avocats de l'accusé en ces termes. Il n'est même pas dans cet état. Au départ, il a usé des mimiques, mais nous lui avons posé la question: qu'est-ce qu'il veut? Il a parlé de façon audible et clairement en disant: Monsieur le Président, envoyez-moi à l'extérieur, a rapporté donc le juge Kova Zoumanegui. En plus de son état de santé jugé inquiétant, le sort judiciaire de l'ancien Premier ministre, Dr. Kassirou Fofana, est-il désormais scellé? Nous posons cette question centrale et d'autres dans un instant à Maître Dina Sampil, l'un de ses avocats, qui va s'exprimer d'un moment à l'autre dans cette émission. Avant, donc, on partira du côté de Bofa pour nous intéresser à Bel Air Mining qui traverse donc une zone de turbulence. La société Bel Air Mining lourdement punie par l'État guinéen, 7 millions de dollars. C'est l'amende qui aurait été infligée à la compagnie minière qui exploite de la bauxite dans la zone de Bofa, l'amende infligée par le bureau des évaluateurs quantité et qualité des minerais à exportation BQQ, une amende qui fait suite, il faut le rappeler, au chavirement au mois de juin dernier d'une barge de la société déversant une forte quantité de bauxite dans les eaux guinéennes. Dans la foulée, vous vous rappelez, les activités de la compagnie avaient été gélées, en tout cas du fait notamment pour elle d'avoir dissimulé cet incident. En quoi cette amende serait-elle justifiée? Est-elle à même de compenser les conséquences écologiques afférentes à cette catastrophe? C'est ce que nous allons voir dans un instant. Si le temps nous permet également, donc on partira du côté de Fria pour ce dossier d'enquête préparé par l'audio Lincoln Souma Bassekou. Autrement, donc, ce sera remis pour demain si le temps ne nous le permet pas. Allez, quelques réactions très rapidement avant de continuer cette émission. On y va avec ces auditeurs qui sont très nombreux à nous écrire sur WhatsApp avec Thierry Le Madrilène de la plateforme des auditeurs de films dîner. Bonjour à Boakar, le juge
juste. Bonjour à tous. Les mesures, seulement, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Le panier de la ménagère est très, très cher. Mettez la pratique. Trop d'annonces pour rien. Revoyez les prix, s'il vous plaît. Les départements concernés, le marché est cher. C'est ça, la réalité. C'est selon Thierry Le Madrilène. Cet autre qui est également à l'écoute, c'est Sila Pilimini. Bonjour à Boakar et bonjour à tout mon Pilimini natal. La France n'a pas de pays ami. Elle ne défend que ses intérêts. Allez, je continue avec d'autres réactions. Cette fois-ci avec Kanfarande Naluta Diaby, soldat du PRAC. Bonjour à Boakar et bonjour à votre équipe. Boakar, notre justice est devenue désormais une justice de règlement de comptes pour tuer les cadres du RPG. Une justice traumatisée, déboussolée pour abattre un homme digne de confiance. Honnête, Dr Kassour Fofana, qui s'est battu pour le développement de la Guinée, selon donc le soldat du PRAC, Kanfarande Naluta Diaby. Abou Poutine Bako, bonjour Tounyati, Thomas et à toute l'équipe. Le juste, la meilleure coopération sud-sud en Guinée, c'est les Russes, Chinois et Marocains. La Guinée est un pays francophone, mais ces pays donnent plus de bourses que la France. Ça sert quoi d'être un pays francophone pour avoir Campus France? Il faut être riche, selon Abou Poutine Banco. Allez, cet autre aussi qui s'exprime, c'est le smart boy Ali Macron. Bonjour à Boakar. La nouvelle politique de la France en Afrique, précisément dans la zone francophone, n'a fondamentalement pas changé. C'est le boubou qui n'a changé que de porteur. La France, même dans ses intentions les plus spontanées, n'est pas dépourvue du vieux réflexe paternaliste, même si je reconnais la bonne volonté du président Macron de vouloir rompre avec les anciennes pratiques en utilisant un nouveau narratif à même de subjuguer les Africains les plus chauvinistes. Mais ne soyons pas naïfs. La France fait les yeux doux au colonel Doumbouya, sachant qu'elle a été repudiée de bien d'autres pays. Le cas du Mali est illustratif, très intelligent, un texte, voilà, mais ça très intelligible et intelligent. Allez, cet autre, c'est qui exactement, voilà, ce message qu'on a déjà passé. Allez, on s'intéresse à cet autre. Bonjour les Miradors, bonjour Kérouanais. Économie est une science pratique, on ne peut mentir sur ces données. On nous parle des réductions de l'inflation, l'augmentation de la valeur de la monnaie, mais les prix ne font que grimper. Monsieur le ministre, les réalités économiques sont là. C'est un auditeur qui nous envoie ce message. Nous partons du côté de la Chine avec Billy Keita. Bonjour encore à Moussa Moïse. Pourquoi il insiste, attends? Merci beaucoup pour les magistrats de la Kiev d'avoir jugé malade dans son lit d'hôpital. Même à la morgue, vous êtes capable de juger mort. Il faut dire au sacré procureur spécial que Zainab Farel a une double nationalité, guinéenne et française, mais elle a été autorisée à quitter le pays. Les magistrats communicants font un fonds de commerce chez le sacré Charlie Shaw. Allez, il ne changera pas. Hein. L'homme de vérité, bonjour à Boakari, bon retour. Selon mes sources sûres, tous les leaders politiques qui ont quitté l'ANAD, chacun a reçu un terrain et 225 000 $, mais à condition qu'il participe au cadre de dialogue organisé par le CNRD. Le CNRD est devenu un parti politique maintenant, signé par l'homme de vérité. Allez, je me rabats sur l'autre plateforme. Allez, pour retrouver Mohamed Fofana du côté du RPG Arc-en-Ciel, qui dit quoi exactement? Bonjour Minador, monsieur le ministre de l'économie parle bien, mais il ne parle pas fort. Nous savons tous que le port autonome de Conakry est le plus grand champ risicole en Guinée. Si c'est ce qui fait de la Guinée une puissance agricole de la sous-région, tant mieux. La Kiev a montré ses limites dès lors où elle a été incapable de brandir les éléments de preuve contre Donkas dans le délai légal de détention préventive. Si ces juges sont vraiment indépendants comme ils prétendent l'être, Donkas ne devrait pas rester en prison au-delà de 8 mois. Mais bon, il est désormais clair que le CNRD est plongé dans le vindicatif force et courage aux otages politiques du CNRD. Le mal ne vaincra jamais. Ne vaincra jamais le bien. Carfa Mouri Akaba qui s'exprime également. Bonjour Titi, c'est Carfa Mouri Akaba. Depuis 6 km, je pense bien, le ministre des Sports nous doit des explications pour qu'on puisse savoir réellement le bilan qu'il a depuis sa nomination. Certes, le régime passé n'a pu achever le stade de Nongo, mais lui qui est venu au temps de la refondation où tout doit être fait de façon excellente et rapide est aujourd'hui incapable d'achever ce petit stade. La jeunesse est dans l'oubliette. Dites au ministre de l'Agriculture
agriculture de faire la différence entre le chiffre sur les papiers et la réalité du marché. Allez, cet autre aussi, l'avant-dernier qui s'exprime. Bonjour l'empereur des journalistes et à toute l'équipe de Mirador, Aboubakar. L'État guinéen doit avoir le visage humain pour permettre à l'ex-PM d'aller se soigner car la valeur humaine est sacrée. Allez, enfin, deux dernières réactions. Kamano qui est à l'écoute. Bonjour à toute l'équipe. Je suis solidaire avec la grève des syndicats et je réaffirme tous les propos du général. Madame la ministre est dans la propagande sur les réseaux sociaux. Elle fait une gestion opaque. C'est d'enfermer. Je comprends pas. Allez, salut pour terminer. Le dimanche, ils ont été reçus pendant 3 heures par le cabinet de la ministre. Salut donc journaliste collaborateur à Film Guinée qui nous envoie ce message. Allez, forcément les deux dernières réactions là, je m'excuse. Avec Génération Sans Tabac Guinée, les autorités de la transition guinéenne doivent faire de la promotion de la santé une priorité car une population malade est une population improductive. Morgane de Génération Sans Tabac qui nous envoie ce message. Allez, Mouria, du côté de l'UFR, le tout dernier pour l'instant, la nouvelle politique africaine de la France n'est qu'une tentative désespérée de contenir les velléités de la Russie, même si cela doit passer par le soutien aux régimes illégaux, mais cela risque de provoquer l'inverse de l'effet recherché. En soutenant mordicus un régime illégitime et répressif, l'opinion publique pourrait voir en la France le diable en question, comme au Tchad, selon donc Mouria Kaba, du côté de l'UFR. Allez, on va continuer notre émission pendant qu'il est 10h15. C'est Barbant, Vim FM. Les antivaleurs sous les fourches codines de nos chroniqueurs. À présent, voilà Talib qui essaie de nous déconcentrer dans ce studio, s'il vous plaît, monsieur Montesquieu. On s'intéresse à présent, Mamadou Houry, à Bel Air Mining. Je disais donc qu'il traverse une zone de turbulence depuis le chavirement d'une de ses barges et qui a donc qui contenait, a-t-on appris, 7000 tonnes de bauxite donc déversées dans les eaux guinéennes. Et on apprend donc que la compagnie minière a pris une lourde sanction auprès de l'État guinéen. Absolument. L'incident est donc arrivé précisément le samedi 10 juin 2023. Bien. Une des barges donc de la société Bel Air Mining qui devait aller transborder de la bauxite dans le navire en haute mer, donc a chaviré et déversant donc dans nos eaux une forte quantité de bauxite estimée à 7000 tonnes donc de bauxite. Oula. Donc dans le jargon, ça s'appelle de la pollution marine. Et donc aussitôt, il y a eu des murmures et il y a une version qui dit, selon les informations qu'on nous remonte, que la société a voulu donc camoufler, dissimuler cet incident donc aux plus hautes autorités. Et il a fallu donc, si vous voulez, du bouche à oreille, les murmures des populations environnantes. Ouais. Il a fallu même un article de Mosaïque Guinée qui a déclenché cette affaire. Évidemment, donc ces murmures d'abord à la base, dans la localité, donc le média Mosaïque Guinée va la prendre. Média prescripteur, il faut le dire. Va faire je vous répète, le média prescripteur. Bien sûr. Donc va faire un article là-dessus. Ouais, je pense que Kabiné et Manu sont d'accord avec moi. Et vous savez. Et tout à l'honneur de Mohamed Bangoura. Hein. Fait un excellent boulot à ce niveau. Et le courrier de mise en demeure d'arrêt d'activité de Bel Air Mining que le ministère va prendre à travers son service spécialisé se fonde même sur l'article de Mosaïque. Bien. Comme quoi, un site de la place Mosaïque Guinée ayant fait tel article annonçant tant, donc eux-mêmes ayant fait donc ce constat, ont demandé que la société arrête ses activités. Bien. Et après, il fallait donc faire une sorte de rapport circonstancié de la situation, l'envergure donc de la pollution, du dommage et donc de tout ce qui s'est passé. Et c'est suite à cela aujourd'hui que le ministère justement des mines à travers son service d'évaluation des qualités et quantités donc que vous avez cité tout à l'heure a donc si vous voulez sorti cette amende de 7 millions de dollars. Donc nous parlons pratiquement de près de 70 milliards. Ouais. Donc disons plus de 60 milliards de francs guinéens donc d'amende.
Et aujourd'hui, on appelle ça une amende record parce qu'en réalité, il y a eu des incidents comme cela par le passé, mais jamais on a encore atteint une sorte, ce genre d'amende pour les faits de pollution, pollution marine. Ouais. Maintenant, la question de savoir est-ce que cette amende est justifiée, oui. Est-ce que l'État n'a pas eu la main lourde justement contre cette compagnie minière, et on apprend même qu'elle est au bord de l'asphyxie et elle risque de mettre la clé sous le paillasson. Donc il faut faire attention pour ne pas tuer la poule aux œufs d'or. Attention. Oui, pour une peut-être seconde ou X fois. La société Bel Air Mining risque justement la fermeture. La fermeture. Parce que ce n'est pas une première. Vous vous rappelez que sous Alpha Condé, elle est passée par les mêmes difficultés. Parce qu'à un moment donné, elle s'est retrouvée avec un stock intéressant de bauxite qu'elle n'arrivait pas à vendre. Parce qu'elle vendait à des gens qui eux-mêmes, à un moment donné, je crois, en avaient plus. Je crois les Chinois. Donc, à cette époque-là même, la société Bel Air Mining a procédé à une sorte de, si vous voulez, de... Mise en congé technique de certains travailleurs, donc d'une bonne partie du personnel. Ouais. Puis après, on ne sait pas par quelle façon elle a commencé donc à revenir sur le terrain. Là, elle était un peu sur une pente intéressante de reprise des activités. Et puis, paf, il y a cet incident qui arrive. Ouais, ouais. Et donc, elle est frappée aussi par cette amende assez élevée. Est-ce qu'elle a les capacités de faire face à cette amende aujourd'hui? Est-ce qu'on peut faire de l'arbitrage? Est-ce qu'elle compte contester cette amende? Ouais. Nous n'en savons pas assez. Pour l'instant, j'ai écrit au directeur général de la société pour avoir des possibilités d'échanger avec lui. Malheureusement, il n'y a pas encore de retour, mais je continuerai la démarche pour avoir donc son retour. Et puis, vous avez parlé de la base même de cette amende. Ouais. Et selon ce que j'apprends, parce que j'ai pris langue aussi avec un spécialiste sur la matière environnementaliste, donc un juriste de l'environnement, qui dit qu'il y a probablement trois bases, notamment le code minier, et le code de l'environnement et la convention de base même de Bel Air Mining. Ce sont ces bases en réalité qui peuvent permettre à l'État guinéen de sanctionner une telle situation de pollution marine. Parce ouais. que dans le code minier, il y a forcément des articles qui prévoient cela. Et tout comme le code forestier, j'ai parlé du code de l'environnement. Le code de l'environnement. Et maintenant, l'autre question qu'on se pose, ouais. maintenant, entre le ministère des Mines et le ministère de l'Environnement, face à une telle situation, qui, en premier, doit sanctionner? Ouais. Le ministère des Mines. C'est très important. Le ministère une question très importante. Le ministère des Mines constate le fait. Maintenant, en parlant d'environnement, directement, on pense au ministère de l'Environnement. Il y a ouais. une direction nationale de l'environnement. Sauf ouais. que je ne vois pas d'acte conjoint des deux ministères et je ne vois pas non plus un acte unilatéral pris par le ministère de l'Environnement pour sanctionner. Très bien. Donc, est-ce que là-dessus, le ministre, à travers son service, s'y est mal pris? Et en ce moment, est-ce qu'ils se sont trompés donc de base réglementaire et juridique pour sanctionner? Toujours est-il que le montant semble assez salé, mais en même temps, est-ce que si la nature de la pollution est d'autant plus grave qu'on peut voir que ce montant est même minime, ça c'est au ministère de nous le dire. Non seulement le ministère des Mines, mais aussi le ministère de l'Environnement. Bien, Mamadou Ouri, donc merci pour toutes ces explications-là. Je le disais, Talibé, c'est une compagnie minière qui est au bord du précipice. N'ayons pas peur de nommer les choses telles qu'elles se présentent. Et venir et voir que l'État vient la frapper encore au porte-monnaie, est-ce que cette compagnie ne risque pas gros, ne risque pas tout simplement la fermeture? Au même moment, il y a la question quand même des conséquences écologiques de cette catastrophe. Oui. C'est quand même pas moins de 7000 tonnes de bauxite déversées dans les eaux guinéennes. Que fait-on de cette pollution marine? Il y a nos confrères de Guinée 7 qui ont fait un article très fouillé sur ce sujet. Donc 7000 tonnes, on reproche par exemple à Bel Air Mining de disposer des barges défectueuses. Ouh là là. Oui, bien sûr, dans l'article on l'apprend, mais s'agissant de... Signé de Ibrahima Souri. Oui, oui, de Guinée 7. Mais dans l'article on apprend, ils ont interrogé un cadre du ministère qui dit la loi prévoit une amende entre 10 à 100 milliards de francs guinéens, donc pour cette pollution. Nous avons... Donc l'amende qui a été infligée à Bel Air, elle est comprise dans cette fourchette. Dans cette fourchette. Bien entendu. 10 et 100 milliards. Nous avons décidé de prendre...
Bien sûr, dans la fourchette. Il précise, c'est dans la fourchette. Voilà, il précise. Donc, on va lui parler de un peu plus de 60 milliards. Oui, donc il précise que nous avons décidé de prendre un peu plus de la moitié, donc des 100 milliards qu'on aurait pu donc imposer. Pour ce qui est du la mauvaise santé de cette société, Mamadou a rappelé les périodes difficiles par lesquelles Bel Air Mining est passé. Bel Air Mining, c'est quand même plus de 200 millions de dollars d'investis pour mettre en place cette société. Et l'État est propriétaire de 15% justement des actions de cette société. Alors, moi je pense que c'est la loi qui a été appliquée. C'est la loi qui a été appliquée. Ouais. Peut-être que là où on peut aider Bel Air Mining, c'est d'échelonner peut-être justement le paiement de cette amende. Parce qu'il y a eu quand même pollution, il y a eu donc manquement à la loi. Moi, je comprends qu'on lui impose de payer ce montant, donc, mais il faut trouver des aménagements permettant à la société de continuer à fonctionner, de continuer à pouvoir se remettre justement de la mauvaise passe qu'elle connaît depuis plusieurs années, et ainsi sauver non seulement la société, les emplois et tout ce qui va avec. Bien, oui, Mamadou, très rapidement. L'autre chose aussi, est-ce que on pourrait lui imposer un dépôt de bilan dépollué? Je sais pas si le terme existe. La dépollution, oui. Dépolluer la zone marine qui a donc fait l'objet de cette pollution en récupérant la quantité déversée. Je pose des questions naïves. Ouais. Si toutefois. En amont, il faut savoir, il faut bien savoir c'est quoi l'étendue des dégâts, oui, l'étendue de cette pollution marine. Parce qu'il y a une enquête, une expertise. Peut-être que ça atteint même Conakry, qui sait. Non, ça devait. En fait, il quittait les côtes pour aller en haute mer. Oui. Donc s'il n'est pas arrivé en haute mer pour faire le transbordement, peut-être que la zone est circonscrite, mais est-ce que la bauxite au fond de l'eau perd? Il faut une enquête. Est-ce que la bauxite... Il faut une enquête sérieuse. Oui. Et jusqu'à preuve du contraire, je n'ai pas entendu parler d'enquête. Non, si on parle de rapport circonstancié, ça veut dire qu'il y a eu donc des enquêtes le terrain. Maintenant, on ne sait pas quels sont les non-dits. Est-ce que la bauxite sous l'eau perd sa teneur naturelle? Je ne sais pas. Est-ce qu'on peut récupérer? Je ne sais pas. Est-ce qu'elle doit y rester? Et quelles sont les actions de réparation justement du fond marin où la bauxite a été déversée? C'est entre autres les choses qu'on doit nous dire bien, a posteriori. Bien. L'icône, un mot là-dessus, forcément. Un mot forcément. Aujourd'hui, vous avez dit quelque part. Donc vous connaissez la zone. Il faut très bien. Bien. Il faut sauvegarder l'emploi. On ne peut pas se permettre, en tout cas, de tout fermer, puisque c'est une société qui, aujourd'hui, quand même, emploie beaucoup de Guinéens. Aboubakar, une précision. C'est l'article auquel je faisais allusion, c'est un article de Westaf Mining, mais avec la participation de Guinée 7. Très bien. Voilà. Oui. Donc, il faut trouver des mesures douces, forcer l'entreprise à payer, mais il ne faut pas que, en tout cas, cette paye puisse avoir pour conséquence la fermeture justement, de l'entreprise. C'est ce qu'on ne peut pas souhaiter, sincèrement. Mais aussi mettre en place des mesures rigoureuses pour éviter désormais que ce qui s'est passé revienne. Et surtout, ce que moi, je n'ai pas aimé de cette histoire, c'est le fait que l'entreprise n'ait pas voulu communiquer. Il a fallu quand même des médias pour qu'on révèle au grand jour ce qui s'est passé désormais. Cette catastrophe écologique. C'est un accident. Quand ça arrive, communiquer pour ne pas vraiment qu'on... n'estime que vous êtes de mauvaise foi. Bien dit. Ouais. Lincoln, et plutôt Manu, très rapidement. Je vais commencer rapidement par là où on parle déjà dans cet article pour encore montrer la situation de la société. Vous fatiguez un peu, Manu. Oui, sincèrement. Oui. Manu, c'est pour un peu agrémenter le sujet. On parle justement d'une société qui s'est retrouvée croulant sous des dettes estimées entre 50 et 70 millions de dollars. Ce qui montre déjà que c'est une société plombée financièrement qui va devoir faire face. Voilà, Mohamed Bangoura là, qui lâche pas du tout les baskets à Bel Air Mining, qui nous apprend bonjour patron, on n'est pas loin de la liquidation de Bel Air Mining, info d'une source hautement placée. Eh ben, c'est ma première fois d'entendre parler de source hautement placée. Comme on le dit dans le jargon juridique, duralex c'est de l'ex. L'ex. C'est la loi qui a été appliquée. Donc il ne faut pas avoir peur des mots. Bel Air Mining risque tout simplement la fermeture. Aboubakar, les prochaines semaines ou prochains mois. Bel Air Mining est aussi une société qui s'est engagée dans son aventure sur la base de textes
de loi, de convention qu'elle a signée, qu'elle a ratifiée avec l'État guinéen, qu'elle s'est engagée à respecter. Maintenant, les circonstances, le concours de circonstances, évidemment, peut amener l'État à trouver un aménagement pour le paiement de cette sanction, mais si elle est prévue par la loi et que des dispositions prévues ont été violées, évidemment qu'on ne peut pas en vouloir à l'État de sanctionner. Peu importe, on ne va pas se demander quelle est la situation de Bel Air Mining, sinon on parle quand même de 7000 tonnes de bauxite déversées dans la mer. Et donc, si on se tient compte de l'état de santé financière de Bel Air Mining, ça veut dire qu'elle peut déverser autant qu'elle voudra peut-être. Son état de santé va toujours permettre à l'État de fermer les yeux sur les dégâts écologiques. Ouais, de tourner le coup à la loi. Voilà, les dégâts écologiques qu'elle cause. Je pense que c'est un principe. Et s'il était engagé à le respecter, elle l'a violé. L'État a appliqué la loi qui s'impose dans la matière. Oui, mais finalement, si le principe, si on applique le principe et que ça tue l'entreprise. Je pense que quand on regarde de près. L'investissement a sauvegardé, mon ami. Je pense que quand on regarde de près la sanction en tant que telle, l'État a demandé à Bel Air Mining de lui proposer un calendrier de paiement. Ok. Très donc, bien. Je pense que c'est un aménagement assez fluide, assez flexible. Absolument. Pour Bel Air Mining. Parce que là, on ne dit pas à Bel Air Mining, vous devez payer avant la fin de l'année. On lui dit proposer un calendrier de paiement. Ça veut dire que Bel Air Mining tiendra compte donc de sa santé financière pour proposer à l'État guinéen quel est l'échelonnement au cours duquel elle peut éponger cette sanction. Mais Bel Air Mining reste suspendu en termes d'activité. La suspension n'est pas levée. Oh là là. Voilà. Dur, hein. Ce qui arrive, ce qui frappe Bel Air Mining. Allez, on va aborder à présent la dernière ligne droite au compte de cette émission pour parler de l'ancien PM Kassour Fofana. Vous suivez Mirador. Mirador, la plus grande tribune politique de la Guinée. L'habitacle de la pluralité des opinions. Mirador, le grand safari de l'investigation journalistique. Aboubacar Diallo. Dernier coup d'œil sur vos réactions avant donc de donner la parole à l'un des avocats du dernier Premier ministre du régime d'Alpha Condé, en la personne de Maître Dina Sampil. Ce message de qui exactement? De Comment Tindila. Bonjour Rodolfo et à toute l'équipe de Mirador. Panique totale de l'administration française face à l'influence de la Russie en Afrique. La Russie qui vient de se retirer de l'initiative de la mer Noire est prête à approvisionner gratuitement en céréales les pays africains les plus pauvres. Le sujet sera abordé lors du sommet Russie-Afrique. Kiev a utilisé le couloir destiné à l'exportation des céréales à des fins militaires, indique le Kremlin. Allez, Ali Moussank, qui est également à l'écoute. Bonjour Aboubacar, à toute l'équipe. Je suis très ravi de vous revoir sur ce plateau. Et bon retour à vous, sain et sauf, Ali Moussank, depuis l'axe de la démocratie. Allez, cet autre aussi qui s'exprime, c'est qui exactement? Ce message qui nous est transmis par Bassekou. Bonjour Aboubacar, je suis Mamadou Saïdou Barry, étudiant à l'Institut supérieur des sciences de l'éducation de Guinée. Croyez-moi, cette grève aura des conséquences terribles pour tous les étudiants dans les institutions supérieures, et plus particulièrement nous qui devons commencer nos soutenances de mémoire professionnelle dès lundi prochain. Depuis ce matin, on n'arrive pas à franchir le grand portail pour accéder à nos salles et continuer nos travaux de recherche et de préparation. Mamadou Saïdou Barry, étudiant donc à l'Institut supérieur des sciences de l'éducation, qui nous envoie ce message. Donc ça veut dire que la situation est très inquiétante sur place dans les enseignements, dans les institutions d'enseignement supérieur du pays. Bonjour le juste et à toute l'équipe de notre miroir d'or. Permettez-moi de dire bonjour à tous les ressortissants de Dengraï. Et le soutien de la France face à la junte est connu de tous. C'est pourquoi la junte et son gouvernement tiennent mordicus sur leur plan machiavélique, mais qu'ils doivent savoir que le peuple ne dort pas. Nous leur accordons le bénéfice du doute jusqu'à la fin du délai de la transition. Alcéni Labéa Diallo qui nous envoie ce message. Cet autre, c'est qui exactement? Bonjour Mamadouri, bonjour aux chroniqueurs de l'émission, singulièrement au grand frère Ibrahima Sourli Konsouma. Dites au DG Aboubacar, il y a le barrage qui existe bel et bien dans nos différentes routes. Chaque camion paye 10 000 francs pour lever les barrages. Taxi, 5 000. Allez, les deux dernières réactions avec Oumar Kourouma qui s'exprime.
En dépit des déclarations de principe, la transition guinéenne est sous protection diplomatique. Une aide de 60 millions d'euros de la France et de l'Union européenne à la Guinée pour un renforcement de notre capacité énergétique. N'en déplaise aux Georges Rugui et Noël Itamana de la presse au service de la coalition guinéenne des Futnes. Oh là là, sincèrement. Oumar, sortez de cette logique, s'il vous plaît. Allez, pour terminer, son aussi depuis Baïlobaïa. Bonjour à toute l'équipe. Partout où l'État contrôle, il y a problème. Son aussi depuis Baïlobaïa. Le monopole est bon, mais sans l'État aussi, c'est excessif. Bonne journée à vous. Allez, Babin, est-ce qu'il est là? Bien. Allez, dernière ligne droite. La plus grande tribune politique de la Guinée. L'habitacle de la pluralité des opinions. Mirador, le grand safari de l'investigation journalistique. Aboubacar. Allez, pensée positive à mon cher ami Sali Tounti, voilà, qui est avec nous du côté de Iliko et Sagalé. Manu s'est décidé. Kassouri donc, ne bénéficie pas de bon de sortie pour être soigné à l'étranger. Oui, la décision est tombée hier, on va dire comme un coup près, parce que on s'attendait évidemment après la présentation de son médecin devant le tribunal, mais aussi le transport judiciaire qui a été effectué à son chevet, donc à la clinique Pasteur, que peut-être que le juge décide de lui accorder la chance d'aller se faire soigner. Mais malheureusement, hier, donc je le disais aux grandes dames de ses avocats, le juge a décidé que l'autorisation de sortie ne lui sera pas accordée. Et évidemment, il a apporté un certain nombre d'arguments. Le premier étant le fait que, selon le procureur, le premier étant que Kassori Fofana est détenteur d'un passeport guinéen et d'un passeport américain. Donc, lui permettre de sortir du pays pourrait donc lui permettre en même temps de se volatiliser. L'autre argument développé par le juge, c'est que selon lui, l'état de santé de Dr Kassori Fofana n'est pas aussi alarmant. Il est allé jusqu'à dire qu'il se porte bien, parce qu'ils estiment que quand ils ont posé des questions à Kassori Fofana sur un certain nombre de dossiers, il a répondu évidemment par la gestuelle. Mais lorsque le juge lui a demandé que voulez-vous, là il a parlé clairement en disant: monsieur le juge, permettez-moi d'aller me faire soigner. Donc ce qui a renforcé Envoyez-moi à l'étranger. Ce qui a permis donc au juge de renforcer sa conviction selon laquelle l'état de santé de Kassori n'est pas aussi alarmant. Et donc Kassori Fofana a pu s'exprimer d'une voix assez audible. Selon Kova Zoumanigi. L'autre chose, toujours selon lui, c'est que le constat qu'ils ont effectué, il a dit que Kassori n'était pas dans une salle de réanimation, mais qu'ils l'ont plutôt rencontré dans une cabine d'hospitalisation. Deuxième élément, ils auraient constaté que durant le temps qu'ils ont passé, la perfusion que Kassori portait ne bougeait pas. Donc ce qui fait penser à une fausse perfusion, en tout cas à en croire sa logique. Et c'est tout cela. Donc si on en croit Kova Zoumanigi, tout ce qui a été dit et raconté sur l'état de santé est faux. Oui, c'est globalement. Vous y croyez? Je ne sais plus à qui croire, parce que personnellement, je le dis encore aujourd'hui, je n'ai pas encore vu Kassori depuis qu'il est hospitalisé. Donc du coup, je ne peux pas prêcher, je ne peux pas trancher. Mais ça contredit tout ce que Likon disait hier sur ce plateau, parce que lui il s'est montré plutôt alarmiste sur l'état santé de Kassori, Likon. Et vous parliez même de coma, des réanimations, bien sûr. Obakar, j'étais à la clinique Pasteur hier. Juste après l'audience de Kaloum. Parce qu'il fallait venir observer. Nous sommes des journalistes, on ne se contente pas d'être dans les studios. J'ai pas vu Kassori, mais j'ai usé de mes moyens pour savoir si ce monsieur était en réanimation. Mais arrivé là, j'ai demandé à me montrer la salle de réanimation. Effectivement, on m'a montré cette salle de réanimation. Et j'ai demandé à un médecin si c'était la salle de réanimation. Et selon mes sources, Kassori était dans cette salle lorsque la CRIEF était venue. J'ai même pris note
pour bien me rassurer de savoir c'est quoi une salle de réanimation à travers sa composition. On m'a dit que c'est une salle qui a deux lits de ce côté, bien sûr, et il y a des appareils, il y a des équipements de réanimation, un moniteur, d'autres appareils comme le moniteur et même l'oxygène. Et que oui, forcément de l'oxygène. Bien sûr. Oui, bien sûr. Donc, à cause de ces éléments, moi, je n'ai pas compris le juge. Vous savez pourquoi ? Parce que Kassori a été envoyé à cette clinique par l'État guinéen, pas à la demande de Kassori. Mais comment l'État peut envoyer un prévenu dans une clinique et que l'État n'ait pas confiance à l'expertise de la clinique ? Le mieux à faire, c'était peut-être de trouver un médecin pour une contre-expertise. Kassori n'est pas là de lui-même. On l'a envoyé, c'est l'État qui l'a envoyé. Comment l'État peut ne pas avoir confiance à une clinique où il a envoyé un prévenu? Et les données de la clinique là corroborent avec les rapports médicaux du médecin de l'hôpital médical américain de Paris. Ça c'est un. Deuxièmement, est-ce que le juge était médecin pour remettre en cause le rapport médical? Moi j'aurais voulu qu'on envoie un médecin pour une contre-expertise. Ouais. Et c'est ce que la croix de Kassori a demandé, une contre-expertise. Mais pour l'instant, donc une demande à laquelle le juge n'a pas accédé. Mais Abaka, ouais, même si on je pense pas... que c'est le minimum quand même qu'on puisse les raccorder, une contre-expertise médicale. Même si on n'est pas magistrat, je pense que vous ne pouvez pas démentir. Dans la batterie de mesures qu'il a prise hier, il a aussi annoncé qu'il n'y aura pas de contre-expertise. Mais voilà, ça veut dire que... Pour quelle raison? C'est pas justifié quand même, mon cher. Non, on parle toujours quand ça concerne la justice. Mais c'est le minimum qu'on puisse faire quand même pour avoir la vérité dans cette affaire. Pour savoir qui dit vrai. Parce que si le tribunal, la CRIEF, ne croit pas au rapport médical présenté, défendu par les médecins et soignants de Kassori, le minimum à faire, c'est de proposer une contre-expertise. Oui, mais je sais pas ce que vous en pensez. On a les rapports médicaux de l'hôpital américain de Paris. Quand même. D'abord avec quand même le rapport médical de la clinique Pasteur. Je l'ai dit, la clinique Pasteur. Pour l'instant, donc, on n'aura pas, on n'a pas maître Dina Sampil. Voilà, soit dit en passant pour nos auditeurs, on nous apprend qu'il est en réunion en ce moment. Cette clinique n'appartient pas à Kassori. Il n'était jamais venu ici avant et c'est une clinique qui est crédible. C'est l'État qui a envoyé Kassori là parce qu'ils ont confiance. Ouais. Mais Obaka, vous ne pouvez pas vous substituer quand même à un médecin. Vous êtes journaliste. Le juge n'est pas un médecin. J'aurais voulu, j'ai compris, comme médecin, fasse une contre-expertise pour dire tout cela. Mais j'ai comme impression que Kassori, qu'il parle ou pas, c'est-à-dire est condamné. Puisque hier, quand j'apprends que le juge a demandé au procureur quelle est la voie à suivre, et le procureur a indiqué la voie, et le juge, vraiment, a validé cette voie, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de juger ce monsieur. Comment on peut renvoyer, peut-être aux plaidoiries et à la réquisition, au réquisitoire, quelqu'un qu'on n'a pas encore entendu, sous prétexte qu'il refuse de se présenter. Mais attendez, ceux qui sont là... Le transport, il faut quand même préciser que le transport judiciaire qui s'est déroulé à la justice était une audition. Non, c'était pas... Non, à la clinique, c'était pas une audition. Si. Non, c'était un constat. Il n'y a pas d'audition. Est-ce qu'il y a on a parlé de réponse par la gestuelle à plusieurs questions. Oui. Quand il y a des questions, c'est que c'est une audition. Bien. Ce n'est pas une audition, c'était ce qui est vrai quand même. Constat. Il n'a pas été jugé. J'essaie quand même de vous renvoyer à cette tribune signée par Maître Mohamed Traoré. Voilà. Si on pouvait donc l'entendre pour quelques minutes, c'est ce qu'on va essayer donc de voir au pif comme ça. Maître Mohamed Traoré, éminent juriste qui s'est exprimé donc, sur cette question avec cette tribune sous le titre « Imprévenu ou un accusé malade a le droit d'être soigné. Voilà, j'ai lu le premier paragraphe. Un prévenu ou un accusé malade a le droit d'être soigné. Le juge n'a pas le droit de lui refuser des soins. On a encore le triste souvenir de la mort des personnes détenues. Et avant d'avoir été jugé et condamné, la justice doit éviter la survenance de pareilles situations. Donc, serait important. Donc, si Maître Béa est plutôt Maître Mohamed Traoré à l'écoute, qu'il veuille prendre la parole. Oui, cabinet. Donc, c'est pour condamner quelqu'un qui n'a pas été entendu. Il n'y a pas eu d'audience. Mais on fait un constat. État, tout porte à croire aujourd'hui que la CRIEF dans cette démarche n'est pas indépendante. Vous voulez connaître quelqu'un qui n'a jamais parlé? Pas d'audition? Mais attendez, il y a quoi derrière ce projet? Allez-y, cabinet. Non, je pense que moi je l'ai toujours dit, hein, l'État a les moyens. L'État doit se donner les moyens de faire en sorte que la prison soit l'exception et que
le malaise soit plutôt l'exception, une cassorie malade ou pas, l'État a tous les moyens de vérifier cela. Il faut faire une contre-expertise. Médicale. C'est aussi simple que cela. Je pense que c'est simple. Est-ce que c'est vrai que les avocats, ils font dans la surenchère, ils peuvent faire comme si cassorie mourait et que cela ne soit pas le cas. Mais que l'État vérifie. Que le juge vérifie, que le juge demande. Ou le procureur spécial, mais qui est très acharné contre Kassouri. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Parce que moi, je l'ai entendu, mais c'est à peine croyable qu'il parle de Kassouri. Non, mais vous savez, c'est le juge. Qu'il a un cœur. Mais Aboubakar, c'est le juge. C'est pas possible, Manu. C'est le juge. C'est le juge qui prononce la sentence. C'est le juge. Est-ce qu'il a litouré un cœur? C'est le juge qui fait le jugement. Mais le juge a demandé l'avis du procureur hier. Justement, c'est le juge qui doit demander une contre-expertise, puisque le procureur, lui, c'est celui qui poursuit. Il va s'entourer de voilà. tout. Peut-être que c'est la fin de la question. Il est en droit de demander... On a demandé l'avis du procureur et il a tenu compte de cela. Moi, j'ai suivi ce matin Maître Dina Sampil, qu'on n'a pas pu avoir, dans le journal de film. Il dit que c'est curieux que le juge demande au procureur quelle est la conduite à tenir, mais ça, alors qu'il normal. Devait lui demander son avis sur la question. Donc, son avis, oui, quel est votre avis, monsieur le procureur, mais pas quelle est la conduite à tenir, parce que la conséquence, c'est qu'Ali a dit Kassori n'est nullement malade. Il est allé à l'hôpital dès qu'on a annoncé son procès en février. Et donc, si le juge va dans la logique de Ali, les avocats de Kassori ont bon droit de penser que c'est le procureur qui a dicté la conduite à tenir. Bien, allez-y, Mamadou Dia, sur cette situation. Je ne crois pas que le juge puisse pousser le cynisme jusqu'à ravaler son serment pour dire que oui, Kassori fait semblant et que tout cela ne serait que du cinéma. Parce que je me dis quelque part que c'est vrai qu'on plaide pour que Kassori Damaro puisse aller se soigner, mais est-ce que la CRIEF n'a pas plus d'informations que nous? Parce que ces hôpitaux pourraient être infiltrés. Et donc, j'attends toujours de voir la fin de tout ça, mais ça m'étonnerait. Vous avez des doutes? Ça m'étonnerait que ces gens puissent refuser à Kassori d'aller se soigner et dire que ce monsieur fait du cinéma. Ça m'étonne. Oui, mais quand on vous dit que la cour ou le juge refuse une contre-expertise médicale, ça vous dit quoi? Et ça me fait peur en ce moment. Si vous n'êtes pas convaincu de ce qui a été allégué dans les différents rapports médicaux, acceptez une contre-expertise. Mais bien sûr. C'est la voie à suivre. Et mieux, je ne pense pas que l'hôpital américain de Paris se permette de badiner avec des choses comme ça, parce que ça peut conduire à sa réputation. Ouais. Mais l'hôpital peut se prendre il peut prendre des sanctions vis-à-vis de ça. Sûr. Et je ne pense pas non plus que l'hôpital, la clinique Pasteur ici, se permette au point même, Talibé, je finis, au point même de faire dans une sorte de mise en scène ou connivence avec le malade. Je ne suis pas sûr qu'un hôpital, une clinique aussi sérieuse que Pasteur, se permette à ce jeu pareil-là. Ouais. Il appartient aujourd'hui au juge de demander une contre-expertise pour asseoir la conviction. D'accepter. Non, la demande a été faite. Oui, d'accepter les avocats de Kassori. Que nous qui ne sommes pas présents tous les jours auprès de Kassori. Nous qui sommes profanes en la matière. Qu'on est quand même. Que notre conviction sur l'état de santé de Kassori soit établi, ouais. Que l'on soit d'accord aujourd'hui, oui, Kassori n'est pas malade, il fait dans la mise en scène, il se porte très bien comme moi ici, il peut venir devant le juge, mais si le juge refuse, je ne sais pour quelle conviction, mais il a à se questionner. Il y a problème. Pour nous qui sommes pour l'opinion publique, de savoir est-ce que tout ça n'est pas le fait du prince. Et ça, il faut pas refuser de le dire. La crainte aujourd'hui, Talibé l'a si bien dit hier. C'est que la CRIEF doit désormais prouver son indépendance. Et ceci, ce n'est pas comme si on jugeait les décisions de justice. Non. La justice doit être indépendante et la CRIEF doit le faire aujourd'hui, si vous vérifiez. Elle doit faire la démonstration de son indépendance. Il faut qu'elle démontre, en acceptant, monsieur le juge, cette contre-expertise,
que l'on ait accès à cela et que l'on sache effectivement. Sans si, cela, si sans cela les doutes vont persister, Talibé. Ça, c'est pas compliqué. Oui, Manu, oui. Il y a quand même certains éléments aussi de précision qu'il faut apporter. C'est que, curieusement, c'est pourquoi moi je dis je ne sais plus à qui croire. Curieusement, ça fait très longtemps que Kassori est annoncé pour malade, et en tout cas pour quelqu'un qui est très proche de la mort. Mais quand même, depuis là, on en parle. Il mais n'est Kassori, pas mort. Il n'est pas encore mort. Non, mais... et deuxièmement, Parce que moi, j'ai bien envie de comprendre l'attitude de ce juge. Pourquoi il ne voudrait pas d'une contre-expertise? Pourquoi il ne voudrait pas laisser Kassori partir? Et justement... Non, mais c'est une attitude incompréhensible, Mami. Si tu veux que je te le dise... Les deux derniers éléments mon avis, là, c'est une attitude incompréhensible. Mais ça frise le cynisme, mon cher. Je l'ai dit, je ne sais plus à qui croire. C'est le cynisme. Mais quand le même juge vous dit que durant le temps que j'ai passé dans cette salle d'hospitalisation, j'ai constaté que la perfusion que Kassori portait ne bougeait pas... Mais c'est pas possible. On est tombé dans une salle d'hospitalisation. On remarque que la perfusion ne fonctionne pas ou ne bouge pas. Vous n'y étiez pas. Ils sont intelligents. On a vu. Attention, on a vu. Du bon sens. On a vu ça récemment au Sénégal. Vous ne pouvez pas croire à cela. S'il vous plaît. Vous ne pouvez pas croire à cela. Je ne crois plus à personne dans cette affaire. Mais c'est pas possible. Moi, je ne crois plus à personne dans cette affaire jusqu'à ce que je touche moi-même du doigt la réalité. Oui, mais allez-y. Je suis rendez-vous à la clinique, pasteur. J'ai bien envie de comprendre à travers les éléments que ce juge fournit, qu'est-ce qui explique, qu'est-ce qui motive qu'on en soit à un point où quelqu'un qui est annoncé pour mort ne peut pas avoir la possibilité de se soigner. Je ne comprends pas. Mais c'est pas parce qu'on l'annonce pour quelqu'un, pour un malade grabataire qui va mourir du jour au lendemain. Attendez, deux questions. À mon avis, dans cette salle ou de réanimation ou d'hospitalisation, puisque c'est ce que le juge Kova veut nous faire comprendre, pourquoi n'a-t-on pas, au nom de la transparence, au nom justement d'une meilleure information de l'opinion, à mon avis, on aurait pu faire venir des journalistes. Parce qu'il s'agit d'une audition dans une salle. Les journalistes auraient pu témoigner devant l'opinion de ce qui s'est passé. Mais aujourd'hui, on a l'impression que les avocats de Kassori ont une version, le juge a une version, le procureur en a une autre. Deuxièmement, Emmanuel, d'accord, Kassori ne peut pas être évacué, mais Kassori peut être libéré. Cette liberté conditionnelle qu'on refuse à Kassori, c'est-à-dire, combien de fois on a demandé que Kassori soit mis à liberté conditionnelle, qu'il rentre au moins à la maison. Ce n'est ni l'un ni l'autre. Le juge peut ne pas être convaincu de la maladie grave de Kassori, mais il peut être convaincu de la nécessité au moins que Kassori soit libéré, qu'il recouvre cette liberté conditionnelle, qu'il rentre à la maison et qu'il se présente à chaque fois qu'il y a audience. Bien, merci Talibé. Finalement, ni l'un ni l'autre, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Et que je crois plus à Dr Alpha qui est venu devant le tribunal dire ce qu'il a constaté de la maladie. C'est son médecin traitant. Qu'on juge. Quand même son médecin traitant. Qu'on juge qui nous dit que parce que. Vous le voyez mentir. Vous le voyez trafiquer son serment. Je crois plus en ce médecin qu'au juge qui nous dit que parce que le sérum ne bougeait pas, Kassori se porte comme un charme. Bien. Pour clore complètement ce débat, Mamadou Ouri, en 1 minute 30. Cela me rappelle en fait, c'est assez drôle. Un message qu'un auditeur a envoyé dans cette émission, je crois que c'était un vendredi, qui disait que Kassori suivait l'évolution de ses chantiers à Forêt-Caria, au téléphone lui-même, et donc en conséquence qu'il ne serait pas malade. Je pense que le juge certainement est sur les mêmes canaux d'information qui lui remonte comme quoi Kassori est dans la simulation. Bon, après, c'est des informations. Maintenant, pour que l'opinion sache que Kassori ne suit pas son chantier depuis Forêt-Caria, que Kassori n'est pas dans la simulation, eux-mêmes ne doivent pas faire dans la simulation en disant qu'il n'est pas malade.
Parce que effectivement, le juge a fait sa contre-expertise, mais elle est empirique. Bien, je suis d'accord. Elle n'est pas scientifique, elle n'est pas médicale. Elle est juste empirique. Ce n'est même pas une expertise. Parce qu'il est allé... Non, c'est une expertise. C'est un constat. Empirique, ouais. C'est un constat. C'est une contre-expertise. C'est une contre-expertise parce qu'il fait son constat. De son mais empirique, mais ce qui n'a pas de valeur. Non, mais il n'y a rien d'expérience là. C'est ce qu'il a fait. Bien. Rien, ce oui. pas une c'est un juge expert. Un expert dans son domaine. Très bien. Donc, s'il constate, dans la constatation. S'il constate que le truc ne coule pas. Je le croirais dans une expertise juridique que dans une expertise médicale. Absolument. Bien sûr. S'il constate que le truc ne coule pas, que la perf ne bouge pas. Que la perfusion ne bouge pas, que Kassori a parlé au moins une seule fois, quelle est la base médicale qui lui prouve qu'effectivement il est en bonne santé? Donc, vous l'avez tous dit ici et on ne peut pas, on ne le dira pas, on ne le dira jamais assez. Il faut faire une contre-expertise. Médical. Qu'un autre médecin, autre que le médecin de Kassori, d'un autre établissement hospitalier, autre que le médecin de Kassori, s'il faut même, il faut l'importer. Bien. Qui vienne faire le constat qu'effectivement, ses cellules se portent bien, son organisme est entier, sa faculté est bien, psychologiquement, il va bien. Et en ce moment, l'opinion est informée et on saura effectivement que Kassori suit son chantier depuis la maison centrale et qu'il fait dans la simulation. Si ce n'est pas ça, on aura toujours dans l'opinion que ils sont acharnés contre Kassori ou contre tout autre prisonnier malade. Bien, cabinet, ouais. Parce que Babé nous signale qu'on a une minute. L'argument du deuxième passeport de Kassori, mais retirer lui son passeport américain, laisser le voyager. D'ailleurs, il y a une jurisprudence là-dessus, puisque Alpha Condé est parti, il a ses deux passeports, Alpha Condé. Il avait son passeport français, celui guinéen. Non, il n'est pas arrivé en Turquie. Il est arrivé en Turquie avec aucun document. C'est ce que avec aucun passeport. Je dis que Alpha, il avait les deux. Bien. N'est-ce pas? Alpha avait les deux passeports. Il est parti en Turquie, on l'a fait revenir. Qu'on prenne Kassori, aux Émirats plutôt. Qu'on amène Kassori à Paris, l'État a tous les moyens qu'il faut de pour le faire revenir. Ça, c'est pas compliqué. Bien. Que monsieur le juge ne minimise pas la capacité de l'État, Guy Dayan. Bien. Allez, on en a terminé pour aujourd'hui. Grand merci à vous tous qui nous avez suivis un peu partout aux quatre coins du monde. Nous aborderons notre dossier d'enquête demain avec le duo Ibrahima Soli Korsuma Bassekou, qui s'est rendu à Fria récemment pour constater de visu le fonctionnement, en tout cas l'impact de la guerre russo-ukraine sur le fonctionnement de l'usine Rusal-Friga. Et donc, dossier d'enquête à suivre dans Mirador demain, mercredi 19 juin. Il sera également question de l'ANAIM avec la commission rogatoire qui sera déployée pour aller entendre l'ex-directeur général de l'ANAIM. On parlera également de l'ex-directrice générale de la Société navale de Guinée, Mme Fatoumata Cissé, donc, qui a été récemment écroué à venir. Et sans oublier le fait aussi que notre invité exceptionnel demain, c'est si tout va bien, voilà, je parle sous le contrôle des cabinets, Sayon Dembélé, directeur général de l'ANIES. Voilà. S'il ne nous fait pas un nouveau faux bond. Ça n'est terminé pour aujourd'hui. Rendez-vous demain matin quand il sera 8h. Restez sur Film FM, le programme continue. Grand merci à Ibrahim Babin Diallo, à Ibrahim Assila. À venir dans un instant, Guy Tindirin. Le débat en poulard. Au revoir. Film FM, vous avez suivi l'émission 24. Mirador, la grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée, avec Aboubacar Diallo, Talibé Barry, Mamadou Ouri Diallo, Emmanuel Milimouno, Cabinet Fofana, Ibrahima Lincoln Souma, Mamadou Diambaldé.